Bien, salut tout le monde, c'est Sepka pour Sega Legacy. Alors aujourd'hui, j'accueille la fine équipe de Sega Legacy qu'on commence à connaître. En l'absence de Manji, c'est moi qui va animer l'émission pour parler de la Dreamcast. Alors j'accueille Manga, aka Régis. Salut tout le monde. J'accueille Gothic. Hello. J'accueille Moloch. Salut. Et avec nous, on a aussi Segamax. Salut tout le monde. Ainsi que Kurdi. Ouais, salut. Donc on est quand même nombreux ce soir pour parler de la Dreamcast. On va parler plus précisément des systèmes sellers pour finir un peu la boucle sur la série. Et on finit par la meilleure console Sega, donc c'est parfait. Oui, bien sûr. Bon, il y aura pas mal à dire. Hein. On sent bien l'unanimité. Ouais, voilà. Donc parmi les l'équipe des Dreamcast lovers qui vont nous parler des systèmes sellers de la Dreamcast. Donc je vais rappeler quelques infos sur la console qui est sortie en novembre 1998 au Japon et courant 99 en Europe et aux États-Unis. Donc 14 octobre. En Europe, et c'était le 9 septembre 99 aux États-Unis. Qui peut nous rappeler la création de cette machine? Bon, sûrement Régis, je pense que notre puits. Au hasard. Au hasard. on va essayer de faire court. Hein. Ouais. Donc, mais grosso modo, la création de la console a débuté aux alentours de 97. Il y a eu des discussions déjà à partir de 96. Mais ça a commencé réellement à bouger durant l'année 97. Hayao Nakayama, qui est donc le président emblématique de Sega, Sega Japon, a laissé sa place à Shuichiro Irimajiri. Et c'est lui en partie qui a lancé une équipe américaine. Ils ont embauché quelqu'un d'IBM. Et puis, il y a eu donc la préparation d'un hardware du côté américain et également la préparation d'un hardware du côté japonais. Ce qui est assez limite, on va dire, c'est que les deux équipes d'un côté, donc que ce soit aux États-Unis ou au Japon, ne savaient absolument pas qu'ils étaient en concurrence avec une autre équipe. Ouais. Voilà, donc ça paraît complètement dingue. Et ça serait d'ailleurs super intéressant de retrouver les mecs qui ont bossé sur le modèle américain avec 3DFX pour rien pendant des mois. Ça doit être très sympa. À mon avis, il y a eu un suicide collectif. Ah, je sais pas, mais franchement, c'est terrible. Ça doit être terrible à vivre. Ça serait un regret si c'était la console américaine qui avait été choisie. Oui. C'est vrai, ce qui est assez dingue, c'est que Sega s'est lancé dans cette espèce de double confrontation. Et donc la version américaine devait se baser sur 3DFX. 3DFX a fait la connerie en fait de dire durant je sais plus une conférence ou un truc comme ça que il travaillait avec Sega, et Sega en a profité justement. Profiter de ce petit contretemps entre guillemets pour jarter 3DFX et puis travailler avec PowerVR qui en plus a été racheté par NEC après, enfin, etc. Donc ils sont restés sur du matériel japonais et un peu et de nationalisme. Et Bernie Stolar, donc qui avait remplacé Tom Sienski à la tête de Sega of America, l'a clairement dit. En gros, ils voulaient du japonais dès le début. Nous, on a essayé de faire avec nos moyens, mais ils ont clairement, dès le début, ils avaient clairement leur idée en tête. Et voilà. Donc, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Encore une fois, entre les deux entités, parce que bon, ils avaient absolument pas l'habitude à chercher des poux. Hein. C'était pas du tout le style.
On va dire que ça a déjà commencé, ça a commencé dès l'ère Mega Drive, donc c'était un peu une habitude. Ouais. Mais et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu tué Sega, mais c'est un autre débat. Mais du coup, voilà, on a eu une console très japonaise en termes de conception, avec une carte graphique, enfin un chip graphique qui est vraiment d'excellente qualité, puis qui avait vraiment une autre philosophie en fait, hein, par rapport à 3DFX. Mais grosso modo, c'est ça, c'est on a une machine japonaise, et Sega, durant la période Dreamcast, a quand même fait une véritable volte-face, parce qu'ils ont changé leur philosophie, que ce soit notamment avec les partenaires. On se Ouais. rappelle tous notamment d'une conférence où le président de Sega Japon a fait monter tous les présidents des sociétés partenaires travaillant avec eux. Donc voilà, nouvelle philosophie, console blanche, ce qui n'est Ouais. pas rien. Donc voilà, mais une conception de console assez particulière, et au final on a une véritable bombe quoi. Il y en a C'est vrai d'autres. qu'elle faisait plus objet plus petit, hein, un peu plus soft. Ouais, Sega, enfin, on voyait pas trop le logo, hein, c'était vraiment Dreamcast, comme si c'était le concept Dreamcast. Hein, Ah bah, à la base, c'était même pas, je me rappelle, dans les magazines de l'époque, les personnes de Sega demandaient à ce que les magazines ne disent pas la Dreamcast, mais disent Dreamcast. Dreamcast, Et ouais. c'est pour ça que les publicités, notamment en France, si vous vous rappelez bien, c'était Dreamcast jusqu'à 6 milliards de joueurs. Enfin voilà. Ah, Donc d'accord. c'était. Ouais, donc voilà. Donc tu vois, C'était un concept plus que. c'était vraiment un concept un peu foireux, mais bon, bref, ça reste une console. Mais c'est vrai qu'ils ont voulu changer leur philosophie. Et juste des petites anecdotes assez rigolotes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nom Goupy pour le. On a entendu parler du nom de code Goupy en fait pour la Dreamcast. Et il Goupy. s'avère que. Ouais, alors à l'époque, les magazines parlaient de ce nom de code pour la future console de Sega. Et il s'avère en fait que Goupy, c'est le nom de code de Project Berkeley alias Shenmue. Shenmue. Voilà, D'accord. donc c'est assez rigolo. On a aussi entendu parler du nom Eclipse. Et Eclipse, c'est absolument pas lié à la Dreamcast, puisqu'en fait c'était le upgrade graphique qui devait épauler la Saturn pour faire passer Virtua Fighter 3 sur Saturn. Et bon, au final, le jeu n'est pas sorti parce que voilà. Puis la cartouche aurait coûté genre 5000 francs à l'époque, donc je vous laisse imaginer, Ouais, donc 750 euros, un truc comme ça. elle a été Donc éclipsée. voilà, elle a été coûtée, ouais, exactement. Des... Exactement, mais voilà, il y a plein de petites anecdotes rigolotes comme ça au niveau des noms de code. Bon, du coup, Virtua Fighter 3, on l'aura retrouvé peut-être heureusement plus sur Alors, Dreamcast ouais, alors. que sur Saturne, parce que bon, je pense que la Saturne déjà été atteignait déjà ses limites, hein, donc. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est surtout que Virtua Fighter 3 a été annulé sur Saturn, et qu'il y a pas mal de membres de l'AM2 qui étaient très 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 déçus par la décision de Sega de faire bosser l'équipe de Genki. Donc Genki, c'est ceux qui ont réalisé la conversion de Virtua Fighter 3 sur Dreamcast. C'est des anciens de l'AM2, mais je peux clairement, à mon avis, certifier que si la conversion avait été faite par la M2 et notamment par Yu Suzuki, le résultat aurait été encore meilleur. Mais bon, fallait rusher parce que la console sortait et puis voilà quoi. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que Electronic Arts ils ont boudé la console ou pas? Oui, On sait oui, à peu oui. près la raison. La raison, elle est toute bête. C'est que Bernie Stolar donc qui a remplacé Tom Clancy à la tête de Sega of America, était assez pote entre guillemets avec. Alors je vais plus trouver le nom du président de Electronic Arts de l'époque, mais grosso modo, il y a eu une discussion à un moment. Bernie Stolar a proposé à Electronic Arts en fait de travailler sur Dreamcast. Hein, et Electronic Arts a dit OK, pas de problème, mais par contre on veut être les seuls à faire. On veut être le seul éditeur de jeux sportifs. Et malheureusement, Bernie Stolar a dit, ah ouais, mais le problème, c'est qu'on vient d'acheter pour 10 millions de dollars, on vient d'acheter le studio Visual Concept, qui a réalisé les 2K. Et D'accord. voilà. Et donc Electronic Arts a dit, ah ben ouais, mais non, ça va pas être possible. Bon, bah, no deal, et puis voilà. Pas d'Electronic D'accord. Arts. Pour une simple.
une simple demande de leur part qui n'a pas pu être acceptée. Bah, en même temps, Sega n'avait pas foutu 10 millions de dollars par la fenêtre, quoi. Donc, Ouais, puis ils n'ont pas eu cette exigence avec Sony, non? Non, enfin, je sais pas. C'était. Bon, après, c'était des discussions entre les gros hein, de l'époque. Hein, donc, Ouais. Les studios, on en reparlera après parce que Visual Concept a fait pas mal de jeux pour la Dream et des jeux qui se sont bien vendus. Ah, depuis des jeux, très gros jeux, ouais. Ouais, des gros jeux, exactement. Du coup, on va passer. Bon, rapidos, quelques chiffres. Bon, la Dreamcast s'est quand même vendue en 2 ans et demi d'exploitation. Elle s'est quand même vendue à 10 millions d'exemplaires. C'était quand même une console qui s'est, je veux dire, plutôt bien vendue pour l'époque, peut-être. Elle a surtout fait un énorme démarrage, en fait, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et après, ça s'est tout de suite tassé, mais oui, c'est sur la longueur. Le démarrage a été un des meilleurs démarrages de. Bah, à l'époque, c'était le meilleur démarrage de l'histoire. Et encore maintenant, ça ressort régulièrement. Je crois que récemment, la Wii U faisait moins bien. ça avait fait des gros titres, c'est assez rigolo. De faire un comparatif Dreamcast, Wii U sur les 12 premiers mois ou les 24 premiers mois, c'était assez marrant. Ouais, en fait, si je me souviens bien, lors de la sortie américaine le 9/9/99, la console a battu pour l'année. Elle est devenue numéro 1 des produits culturels en battant le nombre d'entrées pour Star Wars La Menace Fantôme. Je crois que c'est ça, il me semble. Ou un truc comme ça. Un Star Wars. Elle a battu un Star Wars lors de sa sortie américaine, en fait. Donc forcément, Sega était super confiant, mais comme vous l'avez dit, c'est que ça, les ventes se sont rapidement tassées. Et après, ils ont vu le film, ils se sont dit, bah non, finalement, c'est pas si bien que ça. On peut surtout dire merci à Sony qui a très très bien joué pour faire patienter les joueurs et puis voilà. Ouais. La carte de la hype. Le DVD. Et parmi donc tout ça, bon, il y a certains jeux qui sont quand même particulièrement bien vendus. Bon, malgré tout, les chiffres de l'époque restent parfois assez obscurs, notamment en Europe. Hein, mais on va essayer d'en évoquer. On a pu en retrouver quand même certains chiffres et des jeux hein, qui ont finalement quand même dépassé le million de ventes. Malgré la faible durée de vie de la console. Hein. Avant de commencer, moi je voudrais savoir parmi vous, qu'est-ce qui vous a fait acheter la console avant de parler des system sellers en tant que tel, hein, les meilleures ventes de consoles. Je voudrais savoir quel jeu vous a fait acheter la console, Moloch par exemple. Oula, moi c'était une espèce de rêve devenu réalité. J'étais à fond dans les jeux de baston 2D à cette époque-là, et j'ai vu sur une étagère un Capcom versus SNK. Et là, j'avoue que j'ai complètement craqué, quoi. Je voulais absolument l'avoir. J'avais pas la console à l'époque, et j'ai un pote qui était avec moi, qui était fan aussi, et qui l'a acheté. Et j'ai pas pu le faire tourner chez moi, mais on est retourné chez moi pour voir un peu ce que c'était. On regardait le livret, tout ça. Moi, je bavais et tout. Je disais, oh, ça va être super bien et tout. Donc tu avais acheté un jeu sans avoir la console, quoi. Lui, il l'avait acheté, il me l'avait montré, on l'avait regardé à deux. Genre, on salivait un peu qu'on salivait sur les magazines. Et puis bon, lui, il a pu repartir avec, et moi... moi, pas. Donc, tu l'as acheté un peu tard, alors, en fait, finalement, quoi. Parce que j'ai sorti bien après. Oui, c'est vrai, oui. Je suis arrivé un peu après tout le monde, et d'ailleurs, tout le monde me disait, ouais, vas-y, la Dreamcast, c'est super. Il y a des super jeux, tu vois, Soul Calibur, il est terrible. Et moi, je dis ouais. Et ça me trottait dans la tête. Et je crois que quand j'ai vu ce jeu, ça a vraiment fait le déclic. Et voilà, donc après, quelques mois après, peut-être un petit peu avant quand même, mais j'ai acheté la console avec Shenmue et puis ce jeu-là. D'accord. Et, je n'ai pas regretté. Capcom et Sega, une grande histoire d'amour à chaque fois. Oui. À part Sega, Capcom fait quand même parmi les meilleurs jeux de la console. Sega Max, tiens. Moi, alors,
Je dirais, vraiment, le jeu qui m'a mis la grosse baffe, c'est Soul Calibur, quoi. J'étais chez un pote qui avait une télé à l'époque. Il venait d'acheter la console, en fait. Il avait un écran, en plus, assez balèze, qui faisait genre presque 1m10 à l'époque, ou 1m20, je sais plus, c'était énorme, quoi. Un gros truc, une télé qui pesait 200 kilos, là. Et je le voyais jouer à Soul Calibur, j'ai pris une claque, j'ai fait, mais c'est quoi ce jeu? Ça existe pas, des trucs comme ça? Je crois que c'était à la télé, c'est pas possible. Et en fait, je connaissais même pas le jeu en arcade. Et ensuite, quand je l'ai vu en arcade, j'ai rigolé, je fais, mais plaisante ou quoi? C'est quoi cette console qui est supérieure à l'arcade, mais largement au-dessus? Je trouvais ça largement au-dessus. Ah bah ça l'est, hein. Ah ouais. Pour le coup, j'ai pas tardé à acheter la console juste derrière, juste en regardant un seul jeu. Et enfin, il avait deux jeux aussi, il avait aussi Virtua Tennis, c'est pareil, quoi. Une grosse baffe. Ouais. Je connaissais pas du tout le jeu en arcade. Je l'ai découvert chez lui, j'ai fait, bon, bah, c'est bon. J'achète. Ouais. Et ouais. Voilà, quoi. C'est une chose qui, même encore aujourd'hui, reste impressionnant, mais on en reparlera parce que celui-là, il en fait partie des jeux les mieux vendus de la console. Et toi, Kurdi? Ah, bah, moi, on va dire que j'ai pas eu besoin d'un système seller pour l'acheter. Toi, t'as acheté la console sans jeu. Toi, tu voulais juste. J'ai acheté des mauvais jeux, là, quand je l'ai acheté. T'as acheté Godzilla, toi. C'était ton système seller, c'était Godzilla. Non, j'avais pris Monaco bêtement. Il est pas mauvais, mais bon. Il est pas mauvais. Ouais, mais il y avait mieux à acheter ce jour-là, quoi. Mm-hmm. Bah oui, heureusement, j'avais le CD sampler avec toutes les démos là, qui étaient, enfin le Dream On 1. Pour te faire regretter ton achat, quoi. Tout à fait. Non, mais en fait, moi j'avais vu dans une boutique à Lille Sonic Adventure qui tournait et j'ai dit, ah putain la vache. Prendre mon taco. Non mais tu restes coté, quoi. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté à la place de Monaco. Par contre. Mais bon, j'ai pas tardé à l'acheter. C'est vrai que ce CD là, Dream On avec Ready to Rumble, tout ça. Ouais, c'est ça. Permettait de patienter pour la sortie d'autres jeux ou d'avoir. D'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir s'en acheter d'autres. Ouais, entre deux jeux. Ouais, il y avait Sonic, d'ailleurs. Il y avait la démo de Sonic. Ouais. Oui. Ouais, mais c'est pas tout simplement pour le mode de joueur, le Monaco, que j'avais pris, non? Pas pour le mode de joueur? Non, c'était pour les super photos qu'il y avait dans les magazines. Puis après, la maniabilité n'était pas du tout ce que j'aimais, en fait. Moi, je suis plutôt arcade, donc maniabilité, j'ai pleuré, quoi. Oui. Forcément. Et toi, Gothic? Moi, en bon Sega sexuel, dès l'annonce de la console, j'avais déjà de la baffe partout. Et donc, j'ai regardé tous les magazines, je me renseignais un maximum, etc. Je pleurais devant les premières vidéos, tout ça. Et puis, finalement, je me suis pris la console Day One. Je me suis pris, au départ, je me suis fait importer Sega GT à l'époque. Sachant que la semaine suivante il y avait Soul Calibur qui sortait en plus. Donc parce qu'il est sorti il est sorti, il me semble, la semaine suivante de la sortie de la Dream en Europe. Ouais. Et voilà, j'avais pris donc le Sega GT en import et j'avais pris, qu'est-ce que j'avais pris comme jeu, j'en avais pris deux ou trois en fait, sachant qu'il y avait pas énormément de jeux non plus, mais... Et oui, grosse claque, et puis je bavais encore plus après, du coup, quoi. Pas clairement. Et toi, Régis? Oh, moi, c'est simple, hein. Sega! En gros, voilà, c'est ça. Oui, c'est... bah voilà. En gros, c'est de la marque, d'abord, forcément, parce que Sega, ça représente tellement pour moi depuis tout petit. Mais grosso modo, non, si mes souvenirs sont bons, en fait, j'étais devant un. C'était Canal Plus qui était en clair. Il y avait peut-être le. Je sais pas, c'était un truc sur les jeux vidéo qui passait le midi ou je sais pas quoi. Et donc je tombe là-dessus et puis là je vois un tout petit reportage Dreamcast Japon, etc. Et là je vois les premières vidéos de Sonic Adventure et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il montrait les premières vidéos en fait du niveau où Sonic est carrément à la verticale sur les buildings. Et puis avec les loopings dans la ville là. Mais non, moi je dis, mais c'est quoi ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc ma mère a dû changer la moquette, évidemment, mais grosso modo, ouais, non, c'était une tuerie. Et il m'a fallu, j'étais assuré de l'avoir à la console, mais on va dire que Sonic Adventure m'a vraiment poussé à emmerder mes parents et mes frangins
pour qu'on l'ait au Noël 99. Donc elle est harcelée littéralement, mais frangin elle voulait pas forcément, mais c'est pas grave, il fallait que je réussisse à l'avoir. Et j'ai réussi à l'avoir le 4 décembre 99 exactement. Donc là, j'ai même en tête la date où j'ai eu la console, quoi. Ouais, mais juste un mois après ou deux mois après, quoi. C'est ça, ouais. Alors il faut quand même savoir que depuis le tout début, j'avais le CD de démo de Dreamcast Magazine avec Sonic Adventure et Expandable. Donc tous les jours, je matais le CD comme un con en attendant que la console arrive. Bon, on a tous plus ou moins connu ça hein, sur une console ou une autre. Exactement. Voilà. Mais alors, il y a un truc aussi très rigolo. Je sais plus qui parlait de Monaco. C'est Curdy. C'est Curdy qui parlait de Monaco. Ouais. Et moi, en fait, j'ai bavé sur Sonic Adventure et j'ai acheté Sega Rally 2. Pourquoi la réponse est toute simple. J'avais harcelé ma mère, mon frangin, mes frangins et puis mon père pour qu'on ait cette console. J'allais pas en plus leur dire bon les mecs, j'ai acheté Sonic Adventure, maintenant vous me faites pas chier et puis je vais jouer tout seul dans mon coin. Donc on a pris Sega Rally 2 pour simplement avoir le mode de joueur, tout simplement. Et Sonic Adventure, je l'ai eu très très peu de temps. En profitant d'une virée sur Paris pour le trouver à un prix assez correct dans une boutique. Ouais. Donc voilà. Mais, c'est clair, forcément. Moi, c'est pareil. Hein. Quand j'ai vu la démo d'intro du Sonic Adventure dans le au magasin, j'étais tellement sur le cul. J'étais convaincu des capacités de la console et c'est clair, moi je l'ai acheté assez vite. Bah, c'est vrai qu'elle coûtait pas si cher hein, non plus, la Dreamcast. 1690. Voilà. Et voilà, moi c'est pareil. Bah, j'ai acheté la console quasiment au démarrage, rien que pour aussi la console. Et bah, moi j'avais pris NBA 2K, vraiment un jeu de basket qui franchement, il dosait bien. Hein. Franchement, il était superbe. Oui. On reparlera après. Bah, il faut aussi préciser que la console. Au-delà des jeux, enfin, elle donnait aussi envie parce qu'il y avait le online. Et puis même le look de la console, il sortait quand même un peu de l'ordinaire. Le look et un détail qui était hyper important, c'est que le Power VR avait cette faculté. Je crois qu'il y avait même une petite puce à côté pour, entre guillemets, laver les couleurs. Donc quand on était dans un magasin, en fait, c'était d'une telle netteté que ça foutait une tarte. Comparé à une PlayStation ou même une Saturn ou etc. Ou même bon, Nintendo 64. Nintendo... Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Power VR, on dirait un nom de lessive. non, mais entre guillemets, c'est ça en fait. C'est-à-dire que il y a... Je sais pas si vous vous rappelez, on était quand même sur du cathodique à l'époque. Et regarder les graphismes, en fait, ça bavait jamais. Ben ouais, c'était net. Ouais. Et ça, c'était très... le Power VR, c'était une philosophie très PC, en fait. Donc, on se retrouvait avec une résolution qui était hyper propre sur des télés classiques, alors qu'on avait par moment l'impression de se retrouver sur un écran en PC, quoi. Donc, forcément, quand on arrivait dans un magasin et qu'on voyait des jeux comme Soul Calibur et tout, mais boah, c'était hyper impressionnant. Enfin, moi, l'argument Internet, c'est pas ça qui m'a poussé à acheter la console. Je savais même pas qu'est-ce qu'on était Internet, pour dire, quand je l'ai acheté. C'est vrai que 98-99, nos connexions, hein, enfin, faut rappeler en... Ouais, puis c'était coûteux, en plus. Hein. C'était moins que ça, 36, hein, le modem. 36, 33. Ouais. 33-6. Ouais, 33-6 et 56 aux États-Unis et au Japon. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde, notamment moi, qui avons découvert Internet, en fait, avec la Dreamcast. Hein. Et les factures téléphoniques hors de prix, mais ouais, bon, c'est une autre histoire. Ce qui est étonnant, c'est que même avec 33K, ça marchait très bien pour jouer à PSO, quoi. C'est étonnant, je trouve. PSO, ouais, Quake 3, et puis Chuchu Rocket, ouais. À l'époque, c'était optimisé. ouais, c'est fini l'optimisation. Optimisé, c'est quoi ce mot? Ouais, c'est vrai qu'on avait là un bon concept, hein, le online, bon, le pad avec ses gâchettes analogiques, les VMU, le VM, ouais, le VM, plein de petits trucs assez sympas qui rendaient la console assez attachante. Et puis, c'est Sega à jouer en plus très malin, parce que faut quand même se rendre compte qu'ils ont réussi à sortir un VMS ou VMU, moi je dis VMS, mais bon, ça dépend... Comment on dit, c'est unit ou système, en fait, ça dépend. Ouais. Mais donc le VMU, mais comment ils ont été malins parce qu'ils ont sorti donc
Le VMS Connector Godzilla au Japon, Atsumete Godzilla. Et c'est-à-dire que les Japonais achetaient ce truc, en fait, pour... c'est sorti un mois, quand même, avant la sortie du jeu Godzilla. Et non, c'est même pas un mois avant, c'était dès l'été. Donc la console est sortie en novembre, donc dès l'été, ils pouvaient se procurer ce petit accessoire, enfin cette carte mémoire avec le petit jeu Atsumete Godzilla à l'intérieur. Et ils étaient malins parce qu'au final le jeu est une bouse comme c'est pas permis. Et pourtant, non, même c'est Gamax qui est pas d'accord. C'est considéré comme non, mais c'est vraiment une bouse, mais on va dire que c'est rigolo de jouer 5 minutes, voilà. Mais Mais du ils coup, en ont quand même fait deux. Hein. Ah oui, et le deuxième encore pire. Ouais, maximum impact, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est une catastrophe, encore pire. Mais c'est vrai que comment. Ouais, Sega a été malin sur certains petits trucs comme ça à l'époque, quand même, pour mettre en avant sa console. C'est quoi le lien entre le Godzilla et la VMU, en fait? Ils avaient un mini-jeu à l'intérieur, tout ouais, dedans, hein, Tamagotchi, ouais, un truc comme ça. Hein. Oui, voilà, en fait, si tu veux, tu pouvais. Tu pouvais gérer en fait un espèce de dino que tu pouvais retrouver après dans le jeu. Et d'ailleurs, il y a eu plein de plaintes de japonais et de personnes, enfin surtout de joueurs import qui récupéraient le fameux VMS ou VMU et qui en fait, sans faire attention, ils effaçaient le jeu. Donc ils se retrouvaient avec une carte mémoire vide. Donc c'était pas mal aussi ça. Non, Sega a quand même eu des bonnes idées, notamment le Chuchu Rocket gratos, c'était quand même c'est trop bien, quoi. Ouais, puis gratos, quoi. Enfin, je veux dire, tu t'inscrivais sur Dream Arena, tu le recevais chez toi, tu fais waouh, c'est bon ça. Bah, pour le coup, c'est pas un système seller celui-là. Ah non. C'est sûr. Le Chuchu, le Godzilla. Ouais, les deux, je crois. Les deux, mais je préfère largement jouer à Chuchu. Hein. Ah oui. Il n'y a pas photo. Passons maintenant un peu au jeu. On va voir un peu les ventes, les systèmes sellers de la console. C'est des ventes mondiales. Hein. On va évoquer des ventes mondiales et puis aussi quelques ventes plus précisément au Japon. On va voir ce qui se détachait aussi au Japon. On va aller peut-être jusqu'à la meilleure vente hein, de la plus basse à la meilleure vente hein. On retrouve un peu en 5e-6e position enfin dans les millions de sellers des NFL 2K et 2K1 mais plus globalement en fait les jeux de la série 2K qui étaient surtout très populaires aux États-Unis et au 2K. Ouais. Au Touquet Paris Plage et au Touquet Paris Plage aussi. C'est un jeu de moto, c'est ça? Ouais. Il faut savoir que le studio qui ont fait Touquet, ils ont décliné ça à toutes les sauces. Hein. NBA, le baseball, le basket universitaire, tout ce qu'ils pouvaient faire, Touquet, ils l'ont fait. Ouais, c'est une ville pour le sport, quoi, en fait. Hein. Ouais, voilà, très sportif. Ouais. Et aussi très 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 branchouille, c'est voilà, il faut avoir des sous pour y aller. Disons donc alors le studio Visual Concept donc qui avait été acheté par Sega, qui pourrait un peu nous en parler. On va dire, moi je suis pas très calé en sport, hein, mais grosso modo c'est Sega a eu la bonne idée en fait de garder ce studio et de ne pas craquer aux envies d'Electronic Arts parce qu'ils ont fait d'excellents jeux. La série des 2K, c'était graphiquement, c'était quand même une sacrée claque. Hein. Et puis après, c'est vrai que comme le football américain a forcément moins de popularité par chez nous, mais au niveau basket, je pense que la série de basket c'est bien vendu. Hein. Non mais c'est clair, moi c'est ce qui m'avait fait acheter un peu la console. Hein. Enfin le jeu de NBA. Vu qu'on avait déjà, j'avais vu le jeu Naomi Virtua NBA et je sais pas pourquoi ils ont pas porté le jeu, peut-être justement pour pas faire concurrence à ce studio, enfin je sais pas, mais voilà un jeu en fait NBA 2K qui se rapprochait fortement du jeu Naomi et franchement c'était vraiment une super claque déjà graphique et puis aussi au niveau des animations.
Enfin, moi quand j'avais vu ça, les parties qu'on faisait, bah, surtout à deux joueurs, hein, enfin, moi je jouais avec mon frère, franchement c'était assez énorme. Mais d'ailleurs, ils sont surtout connus pour leurs jeux de sport, mais ils ont fait aussi d'autres trucs sur Dreamcast qui n'étaient pas forcément liés à des jeux de sport, en fait, des trucs, des jeux comme Ooga Booga, Floyd & Brawl. Ah oui, voilà. L'excellent Ooga Booga. L'excellent Ooga Booga. Ouais, ouais. C'était un jeu de si. Booga. Hein? Et c'était quoi ce jeu? Bah, c'était un jeu qui se jouait online, qui est sorti aux États-Unis uniquement, en fait. C'était un petit peu, je vais pas dire un Power Stone sur une île, mais bon, baston, c'était un peu ça, quoi. C'est un peu de baston, ouais, sur une île, avec plusieurs personnages. On avait plus joué. Touché. On y avait joué une soirée bonze, d'ailleurs. Oui, un peu ambiance tribale, bizarre. Voilà, ouais. Avec des masques un peu bizarres. Et tu montais sur des espèces de petits. De cochons d'Inde, de petits cochons, pour foncer sur ces ennemis. Oui, c'était avant la deuxième partie où on faisait les cosplays, c'est ça? C'est ça. Ouais, ils ont même bossé sur Sonic Adventure 2 apparemment, mais je sais pas dans quelle mesure. Apparemment, ils sont dans les crédits, alors on saurait pas à quel niveau, hein, mais apparemment. Bah, Sonic Adventure 2 a été créé aux États-Unis, hein, exactement comme le Sonic 2 Mega Drive, et je pense que Takashi Iizuka, qui s'occupait du jeu, avait des contacts en fait dans les studios américains et notamment d'excellents contacts et d'excellents talents, et en fait il a profité de ça pour obtenir de l'aide sur certains pans du jeu, en fait, donc voilà. Mais après ça sera jamais réellement précisé ce qu'ils ont fait réellement, quoi. Ouais, bon, en tout cas NFL, NHL, enfin tous des jeux qui sont très populaires aux États-Unis, bon, bah, qui ont et qui méritaient, qui méritaient en plus. Ouais, franchement, ben, ouais. Le studio a été revendu, hein, après à Take-Two. Ouais. Take-Two. Mm-hmm. Et oui. Bah, la série continue, hein. De toute façon, les 2K continuent toujours. Hein. Et puis la qualité, c'est indétrônable. Hein. Voilà. Ils ont peut-être une connerie, hein, ces gars, alors. Franchement, ça leur ressemble pas, hein, de faire des conneries. Non. Ouais, non, bah, comme si c'était pas leur habitude. Hein. Voilà. Oui, et justement, Sophia, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais de Virtua NBA, c'est ça? Ouais. Sur Naomi, et tu t'étonnais pourquoi. Bah pourquoi il n'a pas été adapté tout simplement sur Dreamcast, etc. Bah, la raison est toute simple, c'est que comme Sega avait acheté Visual Concepts, en fait, ils n'allaient pas leur mettre des bâtons dans les roues. Et un autre truc aussi qu'on a eu beaucoup de mal, nous les Sega maniaques, à ne pas comprendre, c'est tout ce qu'on n'a pas vu, les conversions de Daytona 2, Daytona USA 2, les conversions de Scud Race. Tous ces jeux-là qui n'ont jamais été en fait convertis ou adaptés sur Dreamcast, pour en avoir parlé en fait avec des développeurs, la réponse elle est assez simple, c'est que ce soit Hayao Nakayama ou les présidents qui ont suivi, en fait, ils savaient que l'arcade était en passe descendante et ils voulaient absolument pas mettre en fait des bâtons dans les roues aux quelques jeux Sega qui tournaient encore dans les salles en fait d'arcade. Tout bêtement. Donc c'est triste, mais du coup on n'a pas eu du Scud Race, on n'a pas eu du Virtua Striker, je sais plus ce qu'il y avait. Si, Virtua Striker on l'a eu, je suis bête. Mais il y a eu un Virtua Striker. Oui, il y a eu le Virtua Striker. Le Mans 24. Ouais. Mais il y a eu pas mal de jeux arcade convertis, mais ils n'ont pas voulu faire de doublons, quoi. Non, mais Le Mans, il y en a eu un, non? Le Mans 24. Ouais, Le Mans, oui. Non, mais c'est pas le même. Non, c'est Infogrames. Ah oui, voilà, oui, c'est pas le même. Il y a le Mans 24 version Sega aussi. Bah qui voilà, est, bah qui voilà. Est aussi beau qu'il est injouable. Ah d'accord, ok. Oui. Mais grosso modo, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que bah, là, on a encore un exemple du coup avec Le Mans. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont gardé les jeux qui tournaient à peu près, et puis ils ont fait d'autres jeux à côté, quoi. Mais c'est quand tu vois du Scud Race et tout, même le Daytona 2 en arcade. Pourquoi on n'a pas eu ça? On l'a place, on a eu le Daytona 2001. Ou... C'était des choix parfois bizarres. C'est bizarre, ouais. Autant on avait Sega Rally 2, Virtua Fighter 3, mais pas forcément tous les jeux. Mais bon, on a quand même été assez bien servi quand même. Bien sûr, mais c'est vrai que quand tu vois qu'en arcade t'as du Scud Race.
et que tout le monde, tous les magazines le disaient, Sega envisage la conversion, blablabla. Bla, bla. Oh. Toi, ah, t'attends comment ça là-dessus pendant... On en a tous rêvé. Ouais. Mais bien sûr, bah bien sûr. Jeu suivant. Resident Evil, Code Veronica, mm-hmm. 1,14 million. Le meilleur pour moi. Et moi aussi, ouais, moi aussi, le meilleur. Le meilleur de la série. Ah. Ouais. Au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, ouais, c'est l'un des meilleurs pour moi. Mmh. C'est pas... ouais, par contre, l'intro, bon, l'intro la baffe, quoi. Ah ouais. Et ouais, non, mais moi, quand j'ai vu l'intro, la cinématique d'intro, là, je l'avais vu dans une salle de cinéma. C'était une pub. Ah oui. Oui, d'accord. C'était incroyable, quoi. Oui, oui, c'était hyper impressionnant. Et puis le jeu lui-même, il était. En réel et tout, très beau. Mm. Bon, la jouabilité aujourd'hui, elle est un petit peu difficile à replonger dedans, quoi, mais à l'époque, il y avait que ça. Quoi. Ah, il ne faut pas aimer courir. Non, et puis c'est. Enfin, le truc le plus impressionnant, je crois, sur Code Veronica, au-delà du scénario absolument génial ou de la qualité de la réalisation, la bande son. Et puis et ce qui montrait aussi, je pense que vous vous souvenez des vidéos ou même des photos où il y avait la lampe qui se balançait là dans l'espèce de maison là avec les premiers zombies que tu rencontres très très peu de temps après être sorti de prison. C'est pas possible. Là, tu dis, ok, je suis passé dans une nouvelle dimension, quoi. Clairement. En termes d'éclairage, d'effets spéciaux et tout, c'était waouh. Mais même on avait Leonardo DiCaprio, mais. Mais même la transition entre la vidéo d'intro et quand elle se réveille dans la cellule. La cellule, ouais. Ça, c'est une énorme claque. Ah oui, oui. C'est saisissant, hein. Ouais. Avec les effets de lumière et tout. Ouais, dès que tu sors, t'as des zombies qui commencent à ramper, à t'accrocher sur les pieds, là. C'est... Mm. Ouais. Non, c'était classe. Super ambiance. C'était qui Véronique alors finalement, parce qu'on a affaire à Claire Redfield. Je l'ai pas fait le jeu. J'ai du mal avec les Resident Evil. On peut pas dévoiler ce genre de choses. Non, c'est impossible. Pas de spoil. Non, pas de spoil. Non. Sincèrement, le scénario est trop. De toute façon, moi, je suis incapable de spoiler 15 ans après. Hein. Franchement, c'est. Je me rappelle plus très bien. Mais je sais que c'était bien. L'histoire était mortelle. Ouais. Bah, il y a juste un truc qu'on peut dire, c'est double personnalité. Voilà, c'est tout. Voilà. Basta. Mmh. On peut dire que ça. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, ce jeu a eu un super succès critique. Hein. Enfin, bon, ouais. Quand j'ai regardé un peu hein, un peu la moyenne de toutes les notes hein, globales, on approche le 9 sur 10 hein, dans les notes. Ouais, c'est ouais. Un super jeu. Ouais, ouais. La console, hein, franchement, il était vraiment porteur. Et ils avaient même décliné un bundle avec des consoles collector. Donc qui peut en parler? Qui en a une? Qui en a une? Gothique, dis-nous. Oui, bah en fait ils ont fait deux versions. Donc il y avait une console bleue, une console rouge. La console bleue, c'est avec le logo Stars en fait. Elle était limitée à 200 exemplaires. La rouge était un peu plus courante entre guillemets. Il y en avait 1800 numérotés. Et donc du coup, ce qui était assez drôle, c'est que le packaging était exactement le même, ce qui fait que les gens qui achetaient la console ne savaient pas quelle version ils avaient. Ah ouais. Oh la vache. Et elle était au même prix en fait au départ. Hein. Donc je crois que c'était l'équivalent de je sais plus. Et c'était au Japon. Hein. C'était au Japon. Oui oui, Japon uniquement bien sûr. Et c'est horrible si t'aimes pas le rouge. C'est ça. Alors bon, moi par la suite j'ai acheté la rouge. Je savais c'était laquelle parce que je savais que je pouvais pas me payer l'autre. Mais ah oui d'accord. Ouais. Mais ouais non parce que maintenant en occasion c'est de la folie furieuse. C'est 3, 4, 5 000 euros je pense une ouais, Star. Ouais, 4 500, 5 000 euros ouais. Ouais. Voilà. La rouge ou la bleue? Non, la bleue, je pense. La bleue. C'est ça ou une voiture, quoi. Donc bon. C'est horrible. C'est pas la Star qui va m'emmener au boulot, donc au bout d'un moment. C'est ça. Donc. Non, tu peux pas dépenser. Non, tu peux pas dépenser une somme comme ça à une console, quoi. Enfin, voilà. Donc bon, j'avais eu la rouge à l'époque où je collectionnais un peu sur Dreamcast et où je collectionnais aussi les Dreamcast. Ça va, hein, sur les 1008, ça va. Hein. Ouais, okay. Ouais.
C'est une belle pièce, hein. Il y a des belles, mais il y a des beaux collecteurs quand on commence. C'est pas le sujet, hein, mais il y a, dans les consoles collecteurs, il y a vraiment de beaux, beaux modèles. La Dreamcast, c'est quasiment la console où il y a eu le plus de collecteurs, je pense, officiels. Pas le plus, je pense, mais parmi les plus beaux, sans problème. Ouais. Les plus beaux, c'est sûr. Il y a des très beaux modèles. Ouais. Ouais. J'ai une grosse anecdote pour. On est en train de parler des consoles collector. Est-ce que vous vous rappelez. Ouais, mais franchement, l'anecdote, elle est assez énorme. Est-ce que vous vous rappelez du magazine Console Plus qui, dans un de leurs numéros, offrait 6 consoles Dreamcast collector? Donc le deal. Non. Faut pas demander à Sega Max. Sega Max, il se rappelle déjà plus de Code Veronica. Parce que j'ai eu la chance d'interviewer un ancien de Sega France il y a pas très très longtemps de ça, et il m'a expliqué en fait que ils avaient dealé un super concours pour gagner 6 consoles collector dans Console Plus, et en fait. Il y a eu un cambriolage dans les locaux de console. Ils n'ont jamais pu envoyer les lots. Ils se sont fait embarquer les consoles dans les locaux. D'ailleurs, il m'avait raconté que l'époque de la Dreamcast, en fait, aujourd'hui, ça serait impossible. Parce que. Les jeux qui sortaient, en fait, nous, on comprendrait pas ça, mais les jeux qui sortaient, des fois, lui, il bossait dans le marketing, et il y avait 4 ou 5 jeux, des gros jeux, hein, du Quake 3, du Jet Set Radio et tout ça, qui sortaient sur des périodes de un mois et demi, et fallait tout mettre ça en avant. Donc c'était du grand n'importe quoi, fallait dépenser en plus des sommes pas possibles. Oui, il y avait du taf, mais du coup, c'était mal organisé. Il aurait fallu beaucoup plus organiser la sortie des jeux pour que un mois, tu as Jet Set Radio, dans 2 mois après, tu as le Quake 3, ainsi de suite. Tout a voulu aller trop vite, en fait. Donc, ça, on en avait parlé sur le podcast, sur les jeux de lancement. Et sur les... Ils ont saturé le marché à la sortie en Europe et US. Trop de bons jeux, tu le bon jeu. C'est clair. Bien sûr, parce que tu tues plein de jeux, en fait. Hein. Surtout quand après, tu peux les pirater facilement quelques mois plus tard. Ça fait craquer très rapidement la Dreamcast. Super vite. Et en parlant de consoles collector, c'est vrai qu'on n'en a pas eu en Europe. Enfin, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a une qui est sympa, c'est que tu peux trouver sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu des consoles Dreamcast 1000K édition. Non. Ils avaient fait un concours, en fait, 1000K, je ne sais plus, en Suisse ou certainement en Suisse. De partenariat, effectivement. Il y a quelques modèles, enfin, de Dreamcast à gagner, puis un séjour, etc. C'était sur une démo, en fait, du jeu Sega Extreme Sports. Ah oui. Et donc j'ai l'édition, en fait, le CD de démo là du jeu, donc c'est marrant, quoi. Tu lances le jeu Sega Extreme Sports, tu vois un écran de démarrage 1000K avec une vache, je sais pas quoi dessus. Avec une marmotte et du papier d'alu. Alors je sais pas si tu peux jouer avec la vache. Ça aurait été marrant, ça. Une vache sur du snowboard. Ouais, ça, je sais pas si tu peux jouer avec, mais bon, le concours était là-dessus, quoi, en fait, pour gagner. Ce serait l'équivalent de Co-Borders. mais ils ont fait pas mal de concours. Vous vous rappelez de Reebok avec Sonic? Sonic 2, Sonic Adventure 2. Tu avais un concours, en fait, tu t'inscrivais sur Dream Arena, tu récupérais, en fait, un petit programme. Et il fallait trouver des chaussures Reebok dans le jeu. Il y avait un truc comme ça. Moi, je me souviens de l'Opel Speedster que tu pouvais gagner sur MSR. Mais... Oui, c'est MSR aussi, Opel oui. Challenge, non c'est une Opel 1000K. L'Opel qui était sur la jaquette du jeu Metropolis, Street Racer. Oui. Tu pouvais la gagner. Mais c'était la folie, là. Ils avaient mis les moyens. Ouais, c'était clair. Il y avait aussi une console Sega Sports. Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec NFL, 2K ou quelque chose comme ça? De toute façon, c'était livré avec 3 jeux de sport, en fait. Il y avait, je sais plus les titres exactement, mais oui, il y avait NFL, il y avait NBA, il devait y avoir NHL, je crois. Et je sais plus si c'est le 2K1. Et voilà. Et c'est une console qui est limitée, je crois, à 10 000 exemplaires, si je ne m'abuse. Ouais, donc seulement 1 000 euros, je crois. Actuellement, oui, non, c'est une affaire.
Non, mais ça valait pas grand chose à l'époque en plus. Hein, pas cher, j'en veux 12. Non, mais elle est pas très chère, je crois, celle-là. Non, celle-là, ça va. La plus grosse difficulté, en tout cas à l'époque où je collectionnais encore un petit peu, c'était d'en trouver une complète, en fait, tout simplement. Parce que les Américains sont des gros bourrins. Ouais. Et ils baignent tout, les cartons, etc. Ce qui fait que. Ouais, voilà, ouais. Faut aller du côté du Japon pour trouver du top mint. Niveau en termes de propre. Ouais. Et forcément, c'est plus cher. Ah, bah. Bon, maintenant on va parler d'un gros poisson, un gros morceau de la Dreamcast. On va parler de Shenmue. Ah, je crois que c'était Simone. Non, celui-là, il a dû être vendu à 3 exemplaires, je crois, parce que. C'est Gabby Fishing. Shenmue, 1,2 million d'exemplaires. Bon, malgré tout, c'est un jeu qui s'est bien vendu sur la Dream. Mais bon, en même temps, il n'est pas sorti tout de suite. En décembre 1999 au Japon et en 2000 dans le reste du monde. Qui peut nous parler de ce jeu, Moloch? Oui. j'ai pas énormément d'infos sur ce jeu, mais c'est vrai que c'est une sacrée baffe. Hein. Quelle aventure, on va dire. Ouais. Qui a fait aussi pas mal. Il y a eu quand même pas mal de buzz à la fois dans la presse et. Je me souviens d'avoir écouté dans une émission de radio qui ne parlait pas de jeux vidéo d'habitude, carrément un speech sur le jeu lui-même, tellement il impressionnait par la gestion de la météo, le côté vraiment open world. Le fameux Magic Weather, ouais, qui était super bien. Et c'est vrai que ça, c'était un jeu, on va dire qu'on en entendait parler, mais. Avec quasiment le développement de la console, on disait il va y avoir une console Sega qui va sortir avec un fameux jeu qui est en cours de développement par Yu Suzuki, et qui s'appelait encore à l'époque Project Berkeley. On ne savait pas qu'il allait s'appeler Shenmue. Ouais, il faudrait un podcast dédié complètement à Shenmue, je pense. C'est tellement une chose à dire. Clairement, parce que c'est. Il y a la conception du jeu a été tellement d'une richesse incomparable que faudrait un podcast complet. Mais Shenmue, le truc, c'est que c'est un jeu qui a absolument marqué son temps. Mais je pense qu'il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de développeurs de Sega AM2, ça a été le jeu de l'horreur. Ça a été le jeu maudit, quoi. Hein. Puisqu'il bossait non-stop. Hein. J'ai même retrouvé des infos dernièrement où le vendredi soir, au lieu de partir en week-end, il se rendait dans une ville qui s'appelle Zuchi, donc visiblement c'est à 65 km de Tokyo, et il travaillait tout le week-end en fait dans des espèces de lodges. Et ils appelaient ça les Shenmue Weekends. Donc ça montre un peu le niveau d'assiduité des développeurs japonais. Ou alors c'était mais, le goulag. Hein ? Ou alors c'était le goulag. Oui. Mais c'est un esclavagiste, le jeu Suzuki, là. C'est pas un esclavagiste, mais disons qu'il a des. Ouais. Il a des décisions qui peuvent être radicales. Pour vous en donner une, tout bêtement, Virtua Fighter, durant la conception du jeu, il a fait venir donc des spécialistes d'arts martiaux dans les locaux de Sega. Et puis tous les employés qui montraient du mécontentement ou de la non-motivation, bah, ils se sont retrouvés à faire des tâches administratives pendant que les autres continuaient à développer le jeu. Voilà. Donc je pense que ça rigole vraiment, vraiment pas avec lui. Après, il y a quand même tous les enjeux financiers, etc. Mais Shenmue, c'est complètement dingue. Puisque déjà, à la base, Yu Suzuki a voulu chercher des noms un peu mystérieux. Donc, il est parti sur des noms anglais, italiens et même grecs. Donc voilà. Et le nom original de Shenmue, entre Project Berkeley et Shenmue, en fait, il y a eu un nom. C'était, alors, c'est Moloch va peut-être pouvoir me donner la prononciation, mais c'est Genpu Uki, et ça donnerait le conte des vents mystérieux. Donc je sais pas, mais
En fait, c'est ça. Ils ont Yu Suzuki a pris des architectes pour pour les intérieurs. Il a fait appel à des mecs qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo pour développer le jeu et ça a donné ce truc quand même surréaliste pour l'époque. Parce que je sais pas si vous vous rappelez des Ouais. premiers screenshots, mais on était Ils pas, étaient. on se disait mais c'est pas possible, c'est pas Dreamcast quoi. C'était hallucinant, moi. Il y avait C'était qu'à voir hallucinant. les images sur les consoles plus ou les joypads. Ouais. C'était. Et le truc qui est encore plus dingue quand on y pense, parce que j'ai bossé sur chez nous il y a pas longtemps sur un making-of avec plein de secrets, etc. Et il faut se rendre compte que le jeu a été développé. Aujourd'hui, les développeurs ont des logiciels qui vont automatiser toutes les tâches. Par exemple, il y en a un qui fait un truc, ça va s'automatiser dans un logiciel qui répartit toutes les tâches, etc. Au fur et à mesure. Là, faut bien se rendre compte que le jeu a été développé. C'est comme si vous aviez un fichier Excel avec 10 000 entrées, et puis dès qu'il y a un mec qui changeait un truc, bah fallait aller dans Excel, dans le tableau, et puis changer le truc en disant, bah, j'ai fait ceci, donc toi tu dois faire cela. Ah Donc ouais. c'était n'importe quoi. C'était absolument pas automatisé et tout. Alors ça, c'est un développeur américain qui a bossé sur Zombie Revenge, en arcade et Dreamcast, qui m'a raconté l'anecdote, l'histoire des tableaux là qui étaient absolument pas automatisé, mais il y a un truc que Yu Suzuki déteste plus que tout, c'est la phase de debugging, c'est-à-dire enlever tous les bugs, etc. Mais il faut bien se rendre compte que toutes les semaines, ils en enlevaient 10 000 par jour. Donc c'était n'importe quoi, c'était monstrueux. Et une anecdote qu'il a racontée il y a pas très longtemps lors d'une conférence qui est assez drôle, ils ont utilisé Sega, enfin Yu Suzuki et Sega avaient l'habitude d'utiliser des anciens jeux pour faire leurs prototypes, etc. Ils ont notamment pour Virtua Fighter 3, ils ont utilisé notamment Virtua Fighter Kids. Ils ont utilisé comment Nami Amuro, je crois, pour l'animation, ce genre de choses. Et pour Shenmue, en fait, ils ont utilisé les personnages de Virtua Fighter Kids à la place des PNJ qu'on a dans le jeu. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ils étaient en train de travailler sur le système, parce que c'était absolument pas prévu à l'époque, ce truc-là, le système où les gens vaquent à leurs occupations au fil de la journée, ils vont à leur boulot, ils rentrent chez eux, etc. Et à un moment, il y a un bug. C'est-à-dire que tous les PNJ, donc il y en a 300, donc vous imaginez plein de Virtua Fighter Kids, Akira Kids, Sarah Kids, Shun Kids, etc., rentrer dans le convenience store de Dobuita, et en fait, c'était tellement blindé, le truc était tellement petit qu'ils pouvaient plus en sortir. Donc voilà. Donc ils ont été obligés. En fait, grâce à ça, ils ont agrandi les portes, ce qui a permis d'éviter les bugs de personnages comment dans le jeu quoi. Mais c'est voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça, Sans et compter que le premier flash mob électronique était né. c'est exactement ça. Mais voilà, enfin c'est un projet démentiel, c'est un jeu qui fait l'histoire de C'est une Sega ambition en grande partie démesurée, quoi, en fait. démesurée. Ouais, clairement. Et au-delà de l'ambition, bah c'est qu'en fait pour nous, c'est un jeu extraordinaire, mais pour ceux qui ont bossé dessus, je peux vous garantir, C'est un c'est calvaire. vraiment le projet maudit, mais vraiment. Donc ils achèteront, ils n'ont pas backé le projet Kickstarter pour Shenmue 3, je pense, ces gens-là. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que Si, il si, y a s'ils des bossent an... pas dessus. si, si, il y a des anciens. Si, si, y a... Non, non, mais il y a des anciens hein, qui bossent sur Shenmue 3. Okay. Oh, mais j'espère que tout le monde ici l'a backé, hein, Shenmue 3. Ouais, moi j'ai. Ouais. Moi j'ai mis 100 € moi perso. Ouais, moi 3, aussi. 300 pour moi. Oh là là, là. Ouais, tout de suite la surenchère quoi. Soutien, soutien. Ah, j'ai dû mettre une centaine moi aussi, je crois. Qui est-ce qui allait le Ah, voir à j'ai mis Monaco 100 pour euros. 10 000? C'est Manji, il est à côté. C'est Manji, bah oui, voilà. Pour absolument pas y aller, mais. Mais il y a un Alors. documentaire sinon sur Shenmue là, que j'ai vu sur YouTube, je crois qu'il dure presque 45 minutes, un truc comme ça, justement sur le making of du jeu quoi, dans les studios et Oui. tout, c'est assez sympa ouais. Ouais, c'est génial. Non, non, mais c'est, enfin, c'est le making-of du jeu. De toute façon, dès qu'on peut avoir des infos ou des vidéos, etc., c'est à suivre tellement c'est passionnant. Hein. Mais alors, on plaint les mecs. Hein. On plaint vraiment les mecs qui ont On développé le jeu. parle d'un coût de développement d'au moins 50 millions de dollars. 40, 70, exactement 40, 40, non, 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 une exactement quarantaine. 70. Le 70, ça a été mis dans le Guinness des records. Hein. Mais le chiffre exact a été donné par Yu Suzuki, c'était 47 millions de dollars. Ce qui est monstrueux. Hein. C'est monstrueux. Enfin, aujourd'hui, c'est pas choquant aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui, coup non, des et au coût de développement actuel. On était fin 90, hein, faut bien se rendre compte. Hein. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, bon, par contre, c'est comme pour le Shenmue 3, les traductions sont en option. Donc oui, on n'a plus le droit à une version française. Malheureusement. Et même si, c'est ce qu'il y a. Si, depuis 2012. Oui. Ouais. C'est ce qui a, sincèrement, pour moi, c'est ce qui a flingué le jeu. La non-traduction. Ah ouais, ouais, moi, c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Hein. Non, mais c'est. Non, non, mais facile, ça a clairement gêné des jeux. Ça a... Oui, mais c'est clairement. Faut bien se rendre compte qu'à l'époque, moi je sais qu'en anglais, je me démerdais pas trop mal, mais j'ai plein de potes qui disaient tout ce qui est jeu anglais, nous on prend pas parce que je suis nul en anglais. Donc ouais. Voilà, ouais. Ils allaient pas plus loin. Hein. Est-ce qu'on avait encore beaucoup, est-ce qu'on avait beaucoup de RPG en français Je crois que ça commence à arriver sur la console. Ça commençait, Grandia sur PlayStation était en français, notamment. Ce qui était en sorti 99, je crois. C'était du niveau 6e. Did you see a big black car? Oui, c'est sûr. Hein, mais pour quelqu'un qui est pas à l'aise en anglais et puis qui veut pas se prendre la tête, il n'achetait pas ça, hein, clairement. Non, mais oui, il y a un peu de ça. Et puis au-delà de ça, faut bien se rendre compte que ça restait un jeu particulier. Hein. Quand tu rentrais dans l'histoire, c'était taré. Mais pour celui, moi je me rappelle de potes qui viennent à la maison. Et puis, il y a la séquence de Nozomi et Ryo dans le parc. Et puis, j'ai un pote qui fait comme ça. Mais pourquoi il l'attèche pas, là? Mais il est con, quoi. Elle est en train de l'allumer, il fait rien. Bah, moi, tu fais comme ça, bah, je sais rien. Moi, c'est les développeurs. Mais je me rappelle, d'anecdotes comme ça. Non, mais c'était... C'était un jeu particulier. Il y a un petit côté contemplatif. T'arrives en fin de journée, tu repasses donner à bouffer au chat. Enfin, c'est... Ouais. Oui, voilà, oui. Puis... Mais comme ton pote, j'avais des doutes sur la sexualité de Ryu Asuka. Du chat. Hein. Du chat. quand je voyais Nozomi lui faire du rentre dedans pendant tout le jeu, je me dis bon, c'est quand qu'il commence. Non, il préférait s'entraîner dans le dojo avec le. Ah non, c'est clair. Sous le cerisier. Yu Suzuki, de toute façon, c'était un malade parce que le magasin est pas super visible dans le jeu, mais il y a notamment un magasin ou un restaurant de ramen, et il voulait à l'origine que les nouilles, une fois cuites, on voit réellement qu'elles soient cuites, qu'elles soient al dente, machin. Enfin, c'est énorme. Il est à fond dans les détails, quoi. Perfectionniste. Ouais, mais avec Shenmue 3, putain, je plains les mecs, quoi. Parce qu'ils ont un budget limité, quand même. Hein. Bon, ouais, après, voilà, ils bossent sur du Unreal 4, mais bon. Bah, techniquement, ils doivent pouvoir faire des ramen cuits de nos jours. Hein. Ouais. Peter Moore aura dit que le jeu se vend très bien. Alors, malgré ce qu'on dise, hein, que c'était un bide, hein, tout somme, finalement, le jeu s'est très bien vendu, mais il ne fera pas de profit. C'est ça, le problème, c'est qu'il n'a pas été rentable, le chaîne. Voilà, je pense que... Est-ce que ça a été... Est-ce que ces gars, à un moment, auraient dû mettre un peu des limites aux ambitions de Yu Suzuki? Je sais pas, mais en même temps, ils auraient... Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Hayao Nakayama, qui était le boss de CIA Japon, il adorait Yu Suzuki. Il adorait Yu Suzuki pour son côté technique et pour le côté... En fait, il avait peur de rien. Et Hayao Nakayama était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... On lui a reproché énormément de choses, en fait. Mais sans ce mec-là, sans Hayao Nakayama, je vous garantis que Yu Suzuki n'aurait pas eu cette liberté. Donc, on n'aurait pas eu, par exemple, Virtua Fighter qui a été développé sur des modèles 1 et modèle 2, qui sont quand même à l'origine des architectures venant de l'armée. Hein. Faut quand même se rendre compte de ça. C'est quand même quand l'URSS s'est cassé la gueule que ces boîtes de sécurité... ont eu besoin de trouver de la trésorerie ailleurs et qui se sont tournés vers le jeu vidéo et que Yu Suzuki a fait le forcing pour récupérer ce type de technologie. Mais sans Hayao Nakayama, malgré tout ce qu'il a pu foutre comme bordel entre le Japon et les États-Unis au niveau de Sega,
Yu Suzuki n'aurait pas eu cette liberté, quoi qu'il arrive. Enfin, faut quand même se rendre compte que pour Outrun, on est donc fin 80, le mec, hop, on se barre 2 semaines tranquille au volant d'une petite bagnole, et puis on fait la France, l'Italie, machin, tranquille. Donc, il dépensait déjà du budget à cette époque-là, et c'est d'ailleurs pour ça que pour Afterburner, son boss lui a dit, alors, pour Outrun, tu t'es bien éclaté, maintenant, pour Afterburner, tu vas nous acheter juste un magazine de voyage japonais à 300 yens, et puis tu te démerdes à faire les décors avec ça. Aller un tour en F-16, quoi. Bah oui, exactement. Et je suis persuadé, bah, exactement comme, comme des développeurs qui vont demander à ce que, je sais pas, pour des animations de chevaux, ils fassent de l'équitation, ce genre de truc. Enfin voilà. Yu Suzuki est comme ça, il fallait toujours tester, parce qu'il disait de toute façon, pour Virtua Fighter, il disait si les développeurs ne seront pas capables de comprendre les mouvements, comment voulez-vous qu'ils les animent ? Et la philosophie et les tenants et aboutissants de l'art que tu veux montrer, en fait. Ben ouais, exactement. Et il est comme ça depuis le tout début, depuis son entrée à Sega et même avant. Donc de toute façon, on changera pas. Mais sans Hayao Nakayama, ouais, il aurait jamais eu cette liberté là. Et ça montre justement que l'histoire de tous les gros jeux de Sega en fait ont été conçus grâce à cette motivation de toujours aller plus loin, toujours plus dingue, toujours plus beau, toujours plus. C'est pour ça qu'on en est fan hein, aussi de cette marque-là, hein. Faut bien se rendre compte. Hein. Il y a une paire d'employés qui ont bossé avec Yu Suzuki qui doivent regretter de ne pas avoir développé de jeu de drague hein, quand même. il n'a pas implémenté ça simplement, c'est tout. Ouais, c'est clair. Putain, heureusement que c'est pas lui qui a fait les Yakuza. En tout cas, le jeu, enfin, tellement il a marqué, c'est vrai, quand tu vois quand il a été annoncé, quand tu vois le Kickstarter que ça donnait, Shenmue 3, et là, comment il a été accueilli, enfin, l'annonce. Mais bien sûr, c'est un peu hystérique, quoi, ouais. Mais de toute façon, il l'a dit, hein, si Miyamoto est le père du jeu vidéo, je suis sans doute sa mère. Hein. Donc, je pense que il a raison, enfin, c'est un mythe au niveau jeu vidéo, mais j'aimerais trop pas bosser avec lui, quoi. Je pèterai un câble au bout de 3 jours. Ouais. Parce que je pense qu'il est tellement perfectionniste que quoi, ça doit être taré, quoi. Ça doit être taré. Bon, bah, on leur souhaite bon courage pour la suite, alors, pour Shenmue 3, parce qu'on l'attend quand même au tournant. Oui, voilà. Puis, un truc aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les développeurs ont dû, pour Shenmue, travailler des algorithmes, je sais pas quoi, pour faire passer tout ça sur 3GD-ROM. Il faut quand même se rendre compte que sinon le jeu aurait tenu sur 60 CD. 60. Mais c'est... c'est pas possible. Tu vas acheter le jeu, on te donne un spindle, c'est... c'est trop ça. C'est trop ça. C'est... Bon, bah alors voilà la version collector. Non, non, c'est le jeu normal. C'est ah, ouais, non, mais si on le laisse faire, il nous fait 3 villes, 10 villes, un pays. Hein. Oui, sincèrement, ouais. Et c'est pour ça que le... Autant j'ai confiance dans le projet de Shenmue 3, autant le budget me fait super méga peur. Oui. Quoi. Mais vraiment. C'est assez flou, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme argent derrière en vérité. Ils sont un peu obscurs là-dessus, enfin, communiquent pas trop. Sincèrement, je pense qu'ils sont à 15 millions grand max. Quoi. On verra bien. Ouais. On verra bien. On revient un peu à nos chiffres. Il va peut-être falloir s'asseoir sur les ramènes. Hein. Ils seront pas cuits. Hein. Comme ça, t'auras le cul bordé de nouilles. Ensuite, on a Crazy Taxi. 1,2 million d'exemplaires vendus au monde. Et je pense que c'est au moins la moitié aux États-Unis. Enfin, je pense que ça, c'est... C'est un million, plus d'un million aux États-Unis et... 700 000 à San Francisco, non? Là, c'est vraiment un jeu taillé pour les US, là. Hein. Ouais. La bande-son. Ouais. Hein, la bande-son of Free. Ah ouais. C'est un jeu sorti en 2000 et converti de l'arcade par Hitmaker. Bon, ouais. Ils sont toujours bien connus pour les conversions réussies des jeux Naomi. Moi, je l'avais vu avec la console, celui-ci, quand je l'ai acheté. En fait, je ne le connaissais pas du tout en arcade. Mais quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, bon, c'est pas un truc pour moi. Quoi. Et finalement, j'étais surpris d'accrocher au jeu, quoi, en fait. Ah, c'était fun. Ouais, étonnant. C'était du fun immédiat. Ouais, c'est clair.
Bon, on disait que c'était un open world en voiture. Est-ce que c'est... Bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, il faut juste, en fait, dans le pitch, hein, du jeu, il faut faire des courses de taxi, ramener le client là où il souhaite aller, Ouais. par tous les moyens possibles, en utilisant tous les raccourcis possibles, et sur une bande-son de The Offspring. Ouais. Donc, Bande son qui a et c'est été d'ailleurs viré dans les rééditions. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut le faire absolument sur Dreamcast ou Arcade, parce que ils ont été virés des musiques et ça, tu perds Emblématique du jeu. Ouais. 50% de l'intérêt du jeu. Enfin, Ouais, c'est c'est clair. parce C'est que il après. faut que c'est, faut... c'est un jeu répétitif en plus, hein, faut quand même. Ouais. Donc si t'as en plus t'as pas l'ambiance. Ouais. Ouais. C'est Crazy Taxi 2 où tu pouvais prendre plus qu'un client à la fois, je crois, un truc comme ça. C'était un peu Ouais. la principale différence. Bon, il y avait des mini-jeux qui étaient dedans, qui étaient sympas. Donc des missions, quoi. Ah, c'était Ouais. dur d'ailleurs, c'était Ouais. assez chaud. Pas toujours simple, ouais. Il y avait pas plusieurs villes? Non, je crois pas, non. Il y C'est avait dur. pas plusieurs villes C'est dans le 2, dans... je crois. Ah non, C'est dans le non. 3. Non, Il y avait non, plusieurs non, non. voitures, mais. C'est dans le 3 sur Xbox, Non, je crois. non, 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 non. Il y avait plusieurs portions de villes, c'est ça, Ah. enfin, Ah de oui. zones. Ouais, c'est ça. Un peu comme dans Jet Set Radio, en fait, c'est plusieurs Oui. zones qui se recoupent. Voilà, exactement. Mais si, faut clairement dire une chose, c'est que c'était quand même une ville ouverte, hein. Ah oui. C'était Ouais. clairement une ville Ah oui. ouverte, hein. C'était quand même. À l'époque, on n'était quand même pas habitué à voir ce genre de performance sur console. Et dès qu'on prenait un taxi, on pouvait se balader partout, passer dans Ouais, les sans risque. parcs. C'est vrai que Enfin, tout est relatif, hein, quand je dis open world, c'est en du fin des semi en années fait. 90, un Enfin, open pour moi, c'est. world, si on fait 10 rues, c'est un open world. Hein, Oui. Oui, Mais ouais, sinon, c'est tu sûr. pouvais Même choisir si. ton Ouais. itinéraire. Tu avais la Ouais. liberté Oui, de puis. passer. Il y avait un système de. Je me souviens bien, il y avait un système de difficulté en fonction des couleurs, non, c'est En ça? fonction des clients, ouais, qui voulaient Ouais, aller des clients, ouais. plus ou moins loin, en fait, Plus dans ou C'est moins loin, plus ou moins. vert, jaune, Ouais. rouge, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, bah ouais, gros, gros, gros jeu, mais je pense que clairement taillé, en effet, pour le public US. Hein. Ouais. Apparemment, on pouvait aller jusqu'au Pizza Hut. Certains clients Oui. demandaient à aller jusqu'au Pizza Ouais, Hut t'avais des grosses Oui. enseignes, Il y avait de la pub, ouais. Ouais. En tout cas, un petit jeu sympa arcade. Ouais. Et Et qu'on vous? trouvait même dans les Kellogg's. Hein. Je crois qu'à un moment, on pouvait l'acheter dans Oui. les Kellogg's. Et vous? Et Vous moi, savez j'achetais des pourquoi? boîtes de Chocapic pour l'avoir. Ah ouais? Ah d'accord. Ah Ouais, je l'avais d'accord. récupéré, moi, comme ça. Bah ouais, toi, Il c'est a sûr, fait toi. une overdose de Mais c'était pas Chocapic, sur il n'a même Beam, pas eu le jeu. c'était la version PC que tu récupérais, je crois, Ouais, sur. c'est son PC, ouais. Ouais. Ah C'est oui, depuis ce jour-là d'accord. que t'es accroché au Chocapic, donc Gothic, c'est ça? Non, ça date d'avant, mais effectivement, là, ça a scellé mon destin, quoi. Et vous savez pourquoi ils ont pris la musique d'Offspring ou pas? Ah non. Ah, du Ben, tout. tout simplement parce que les développeurs l'écoutaient à longueur de journée dans le studio. Ouais, que Heureusement ça. qu'ils aimaient pas Céline Dion. René. Bon, on va passer maintenant à un autre gros morceau, hein, de la Dreamcast, peut-être aussi un des plus beaux jeux de la console, Soul Calibur. Ah. 2,3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Dans le monde, sauf l'Europe. Sauf l'Europe, alors pourquoi? Ben, non, Mais c'est ben, vrai, il n'y a c'était pas de un chiffre, jeu. il n'y a pas de chiffre, c'est ça le truc. Il n'y a pas de chiffre pour l'Europe. Ouais. Ouais. C'est parce que l'Europe était acquise à une autre marque. Non, mais. Et curieusement, la licence Soul, enfin, comme la plupart des jeux Namco, était développée sur Play. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que Sega a pu récupérer Soul Calibur sur la Dreamcast. Ouais, c'est Bah, vrai. surtout que le système arcade sur lequel a été développé Soul Calibur est quand même un système dérivé de la PlayStation. Donc Ouais, c'est ça m'a le toujours système étonné. 246, je crois, hein, de mémoire, du nom de la route d'ailleurs qui traverse, enfin qui passe devant le building Sony à Tokyo. Ouais. Effectivement, c'est, enfin voilà, l'architecture est une architecture PlayStation, donc c'est d'autant plus marrant de voir qu'ils ont quand même fait l'effort Alors de en fait, complètement.
En fait, la raison, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, ce serait dû au fait que les développeurs de Namco étaient assez à l'aise, et ils vont le prouver, avec le Power VR. Quand Sega arrive avec la Dreamcast et qu'ils se rendent compte que la machine embarque un Power VR, ils se disent, oh là là, il y a quelque chose à faire. Donc forcément, quand ils ont vu arriver donc le kit de développement et ce qu'ils avaient en arcade avec Soul Calibur, eh ben ils se sont éclatés, faut dire ce qui est, et la conversion a été réalisée en à peu près 14 mois. Ça paraît assez ridicule, mais du coup ils ont pu éclater la version arcade avec le Paraît-il que Power le VR. jeu est plus beau, que le jeu Ah Dreamcast, il est oui, beaucoup ah plus oui, non, beau. Il y a ah quasiment une oui. génération de différence entre les deux. Ah Hein. oui, C'est c'est moi énorme. j'ai pu revoir Soul Calibur en arcade il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai Ça presque pique. rigolé quand j'ai. Ouais. Ah, Ouais, j'ai joué ouais. aux deux, il n'y Non, a pas parce photo. que Hein. aujourd'hui tu reprends Soul Calibur Dreamcast, tu peux y jouer sans problème, tellement Ah c'est ouais, beau. il n'a C'est pas vieilli ça. magnifique. La 3D n'a pas vieilli. J'espère que tout le monde l'a fait ici. Ah Soul oui. Calibur. Oui, bien sûr. Moi, pourtant, je suis pas très jeu de baston. Hein. À part Virtua Fighter, je suis Dead or Alive. Je suis pas très jeu de baston, mais là, franchement, tu pouvais pas passer à côté de ça. Et puis, les développeurs se sont rendus compte en fait que la console était tellement puissante qu'ils pouvaient modéliser en fait à l'intérieur de la bouche des combattants. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, au niveau animation, ils pouvaient faire des seins rebondis magnifiques, des fesses rebondies magnifiques. On se rappelle tous des fesses de Taki, hein, sans Ah, déconner. ah bah, Ivy, surtout. Mais On est taquille à sa cause, hein. et des seins de Ivy et de voilà, Ivy, mais bien sûr. Ah bah, mais Ivy, mais, oui. hein, mais franchement, en termes de physique, de graphisme, de Ils ont très de bien la tuerie. gravité. Celles l'ont très bien compris chez Tecmo, là, avec Dead or Alive. Ah ouais, ah oui. Oui, avec le Dead or Alive Extreme qui va arriver là, c'est Oh encore ouais. barré. Non mais Ah, puis je vous ça dis, c'était c'était les un murs à des jouer. jeux parmi les tout premiers sortis. Enfin, je sais pas s'il est sorti. Alors, il est sorti en août 99, c'est ça, au Japon. Août 99, ouais, donc 6 mois après sa sortie. Août, 8 mois. 8 mois après sa sortie japonaise. 9 mois après sa sortie japonaise. Franchement, c'est un Ouais. jeu qui envoyait bien, quoi. Alors Enfin, que c'est mais quasiment un vous, jeu de lancement chez nous, en fait. ouais, mais vous vous rendez compte, on parle de août 99. Vous vous rendez compte un peu pour l'époque? À côté, il faut se rendre compte, il y avait Half-Life en 98 sur PC, quoi. Donc il y avait, enfin, Ah, c'est n'importe quoi. mais sur Dreamcast, Et t'avais des c'est. jeux qui étaient plus jolis que sur PC à la même époque. Ah oui, ah bah Mmh. En oui. Le termes de fou, rendu en c'est tout cas. qu'effectivement, on bat beaucoup devant Soul Calibur, mais il faut se rappeler que le Dead or Alive 2 qui est sorti sur Dream, il est Et... magnifique aussi, quoi. Ah Aussi, oui. Oh oui, super. Mmh. Et d'ailleurs, il a été très très mal adapté sur PlayStation 2 avec des espèces de textures blanches Le hardcore là. qui apparaissaient par moments. Et tu te demandais ce que ça venait foutre là, quoi. Mais ouais, Dead Drive, en plus avec le système de stage à plusieurs niveaux, mais oh là Évolutif, ouais. là. Ouais, c'est génial. Ouais. Vraiment superbe. Ah, c'était quand même une super console. Ouais. Ah oui. Bah, Ah, c'est... oui, puis en termes de développement, les développeurs ont eu la chance justement d'avoir une console qui était accessible. Parce que Sega a mis le paquet pour donner le maximum d'aide possible. Et puis elle était simple entre guillemets à développer comparée à une Saturn, voilà quoi. Donc Ah, puis les ils se sont musiques de fait Soul plaisir. Calibur aussi, ces musiques, elles sont épiques, quoi. Ah, Ah, c'est symphonique et tout. Enfin, ouais, c'est ouais. superbe, quoi. Et Enfin, y a quelques stages qui ressortent. C'est marrant parce que autant les personnages bon, sont tous hyper réussis et tout, les stages globalement aussi, mais je trouve qu'il y a deux, trois stages qui sortent vraiment du lot au niveau graphique. Et je pense notamment au Steinbrook Castle, qui est le stage de Siegfried, qui est juste mais à tomber par Oui, terre, quoi. qui est magnifique, quoi. Ouais. Il y avait un truc qui était excellent aussi dans le jeu, c'est que tu pouvais paramétrer le générique d'introduction en changeant Oui. l'ordre des séquences. Oui, Enfin, c'est c'était vrai. un truc Ah totalement oui, comment tu hallucinant. faisais? Oui, Oui, exact. Et Bah oui, vu que c'était du temps c'était. réel. Bah oui, c'était du temps réel, et c'est là que tu t'en rendais compte que c'était vraiment du temps réel, quoi. Enfin, Ouais. c'était excellent.
Ah, ouais, et puis le mode quête était énorme. Le mode aventure, ouais. Ouais, le mode quête était génial, super. Quoi. Et c'est dommage qu'ils aient pas fait le 2 d'ailleurs, parce que le 2 il est sorti sur Play 2. Mais combien, je sais pas quelle année d'ailleurs, je me rappelle plus quelle année il est sorti. Mais... Soul Calibur 2 il est sorti en 2003, si je me trompe pas. Ouais, donc c'était un peu tard. Et hein. il est sorti sur les trois consoles. 2003 ou 2002 ou 2003 2000... Il est sorti sur les trois consoles, il est sorti sur Xbox. Game en fait, il est sorti sur Xbox avec Dark Vador, si je me trompe pas. Sur PlayStation 2, c'était Spawn hein, sur Xbox. De... Ouais. Non, c'était Spawn. Oui, c'était pardon, Spawn. C'était Spawn, c'était comment. Il y avait Link sur Nintendo et il y avait. Link génial, ouais. Ouais, EHI sur PlayStation 2, mais Link sur GameCube, il était génial. Vraiment génial. Mais je crois qu'aussi sur la Play 2, il y avait l'aliasing aussi en personnage supplémentaire. Tu l'avais tout le temps celui-là. Ah, ça c'est l'un des ajouts effectivement tu de le mets tout quasiment le temps. Tous les portages PlayStation. Spécial dédicace au hôtelier là. Voilà, non mais parce que en plus le jeu en VGA sur Dreamcast ouais, des boîtes aussi. Ah la finesse, ouais. Il rend super bien. Bon, c'est un des plus beaux sur Dreamcast, moi je trouve, hein, comme jeu. Jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais. Et c'est un des jeux qui a reçu les meilleures notes. Sur enfin parmi les critiques hein, des 40 sur 40 enfin bon sur Famitsu ouais. Des 10 sur 10 sur ouais, GameSpot mais on irait sur du Metacritic aujourd'hui, je sais pas comment il est mais ça doit être surréaliste hein. Sous Calibur il est super fun à jouer en plus, moi je me souviens de partie sur ce jeu mais vraiment fan d'art avec Voldo. Ah oui, il était insupportable ce perso à battre. Oh là là. Il était terrible, il prenait l'adversaire et il faisait tourner sur ses griffes. Et si on se débrouillait bien, l'adversaire après quand il redescendait dans le vide. Donc c'était plutôt. Sur Metacritic, il est à 98. Ah ouais. Bah voilà. Ouais, je pense que c'est un jeu toujours. Enfin bon. Je ne veux pas dire pas égalé, mais ça reste une référence. Hein, et encore maintenant, c'est super jouable. C'est un palier, en fait. C'est... Enfin, en plus, tu as une prise en main immédiate, et puis tout le monde trouve son compte, quoi, que tu débutes ou que tu débutes pas. Tu vois, tu perds, enfin, tu prends du plaisir immédiatement. Quoi. Ouais. Puis au pire, même si tu perds, t'as la plastique d'Ivy, bon, bah voilà, ça va. Ta console. et son fouet. Ouais. Et t'as qui? Et ses fesses. Des talons. Bon, et on va passer à la première place. Enfin, le jeu qui s'est le plus vendu sur la Dream maintenant, bah, Sonic Adventure. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Mais 2,5 millions d'exemplaires. Donc un des premiers jeux aussi sortis sur la console. Ouais. Non, mais c'est pas une surprise. C'est mérité. Moi, ça me fait tellement rire quand j'entends que Sonic a foiré son passage à la 3D. Ouais. Mais on voit le premier, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible de dire des bêtises pareilles. C'est impossible. Sonic Adventure, en fait, il a été conçu à la base sur Saturn. Takashi Iizuka et la Sonic Team avaient dans l'ambition en fait de créer un espèce de Sonic RPG, enfin un Sonic aventure mais avec un petit côté RPG, ce qu'on retrouvera en fait avec les personnages, les PNJ et tout ça dans le jeu Dreamcast. Mais le jeu a commencé à être développé sur Saturn et ils se sont rendus compte que par rapport à leur ambition, la Saturn n'était pas assez puissante. Et c'est pour ça en fait qu'en avril 97, quand ils ont lancé le projet Sonic au sein de Sega. Et qu'ils ont développé le Sonic Jam sur Saturn. Ils ont tout simplement récupéré leurs travaux en fait pour faire le Sonic World, la partie Sonic World où on peut aller voir des vidéos, écouter ouais, des musiques, ouais, ouais. etc. Le petit musée, voilà ouais, donc super voilà, bien foutu. Donc, hein. Mais c'est super bien foutu et justement cette partie Sonic World, c'est les premiers travaux de Sonic Adventure qui devaient voir le jour sur Saturn. Et quand il est passé, bah forcément la Dreamcast, et bah forcément beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de mémoire hein, également hein, pour créer un monde cohérent et tout ça. Et ils ont mis le paquet. Et franchement, mais comment on peut dire Sonic a foiré son passage à 3D? C'est impossible. C'est une tuerie ce jeu. À part la traduction qui a été faite d'un côté par un mec super calé et puis un stagiaire de l'autre, je vois pas.
je vois pas trop où est le problème, quoi. Il y si, avait des, quelques c'est sûr petits que... problèmes de caméra, mais à part ça. Ouais, mais les problèmes de ouais, mais caméra, c'était pas c'était méchant. surtout la version. Ouais. Oui, puis c'était surtout la version. C'était la version japonaise, puisque la version occidentale a été retravaillée pour enlever la plupart des bugs. Il y en avait encore, mais tellement moins que dans la version japonaise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sega a créé une version Sonic International, qui est notre version occidentale commercialisée au Japon, en fait. Mais voilà, mais c'est vrai que enfin, c'est tout le monde se rappelle de ce jeu-là comme une grosse tuerie à tous les C'est niveaux, clair. quoi. Ah, En donc, termes de variété, de rythme. en fait, donc Sonic International, je me demandais justement ce que c'était, parce que j'ai les deux, j'ai pas testé, enfin, pour la différence, en fait, c'est juste le même C'est jeu, sauf sans les simplement. bugs. C'est exactement le même jeu que notre version. D'accord. C'est la version occidentale qui a été commercialisée. Elle a été faite en Mais 6 c'est mois à quel la type de cool. bug il y avait, quoi, à part, enfin, c'est les caméras, c'était Des quoi, quoi. Alors, c'était des caméras, mais c'était surtout, si je me Des réfère collisions, je au crois. blog de, au blog, au magazine Joypad, il y avait un test de Greg. En gros, c'était des bugs de caméra qui créaient réellement des bugs dans le jeu et qui te bloquaient le Un jeu. personnage, Par d'accord. exemple, t'avais le personnage qui, un truc tout con, Sonic tombait dans le vide et tu te retrouvais face à un écran bleu, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, ce genre de choses. Mais du coup, bah, forcément, c'était un peu triste pour quand on tombait sur ce genre de bug. Et c'est vrai que moi, globalement, pour en avoir fait des palanquées de parties, j'ai jamais été trop emmerdé, moi, sur ma version occidentale. Non, franchement, ça En marchait tout bien. cas, Sonic faisait un retour en force sur la Dream, hein, alors que c'est vrai sur Saturn, il était resté assez discret, quoi. Oui, Là, et ça redevenait la puis... mascotte vraiment de la console, Ouais, quoi. et puis le budget était là, hein, parce qu'il faut quand même savoir que la Sonic Team, ben, elle s'est grimée un peu en Yu Suzuki, et puis elle s'est dit, oh bah tiens, nous aussi, on va aller faire des voyages. Donc, donc ils ont été à Mexico, ils ont été donc au Mexique visiter des Les temples. paysages très très variés. Est-ce que vous vous rappelez des Mystic Ruins? Ah, c'était une Bah tuerie, voilà. ça. Une tuerie. Bah oui, bah voilà, en fait, c'est le. Ah, c'est pas. Non, c'est pas Mexique, c'est. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'Amérique du Sud, c'est Au Pérou, les temples peut-être. incas et tout ça. Hein? Au Pérou, Ouais, peut-être. Pérou, je crois, il y avait. Enfin, il y avait Pérou, il y avait d'autres pays d'Amérique du Sud, ils se sont éclatés pendant 3 semaines, quand même. 3 semaines de voyage tout frais payé. Et il faut quand même. Une petite anecdote. Je sais pas, vous vous rappelez du niveau avec Tails, il est sur un snowboard, enfin en l'occurrence c'est pas un snowboard parce qu'il glisse sur du sable. Et en fait, ils sont tombés dans un petit village où il y avait des compétitions de ce genre de choses, d'enfants et tout ça qui faisaient du snow en fait, enfin Du sur sandboard. du sable. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Ah enfin bon. ou du sun, je sais plus comment. Faudrait que je regarde le dans le bouquin que j'ai écrit, je sais, mais je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait, ils s'inspiraient de tout ce qu'ils ont vu, et c'est ce qui a donné cette variété complètement dingue. Quand sur la démo, on prend le niveau Emerald Coast et qu'on se tape l'orque, mais on se dit, Ah on est ouais, rendu ça où c'est. là? Hein? Enfin, c'était génial, hein. Super séquence mémorable, hein. Même si c'est un peu sur un rail, hein, mais franchement, ça déboîtait de voir ça. Et celui qu'ils ont sorti sur GameCube, le DX, la Sonic Adventure DX, il y a quoi de plus en fait? Vous vous souvenez, non? DX. DX, voilà, ok. Merci. Bah, DX en plus. non, le DX, Ils si je sont me tous rappelle bien, sympas. il y avait. Non, le DX, si je me rappelle bien, c'était le jeu un peu retravaillé graphiquement, un peu plus fin, on va dire. Et puis, il y avait pas des jeux de Game Gear à débloquer ou une connerie comme ça? Je crois qu'il y a Je des sais features plus. en plus in-game. Ouais, des petites features, voilà. Mais bon, Sorte de après, voilà, director's cut, c'était des un. bricoles quoi. Ouais. Mais bon, grosso modo, on retrouvait le jeu qu'on aimait tant. Hein. Puis il y avait un truc assez marrant sur Sonic, c'était aussi les chaos. Le tout, tout Ah petit univers oui. qui avait été créé Oui. autour du jeu principal, enfin du jeu Ouais, et de vous l'aventure. savez d'où ça venait ça? Vous savez d'où ça vient ce truc-là? Ça vient du comment du système de Nightopian dans Night. Ah, Night, oui, les petites Ah bestioles. oui, Voilà, c'est vrai. ça
Voilà, ça vient de là en fait. C'est que ils avaient développé un espèce d'écosystème à l'époque dans Knights et ils l'ont amélioré en fait pour Sonic Adventure. Exact. Il n'y avait Et c'était pas vraiment un bien. mode en plus aussi sur Ah. Cube? Je suis en Oh, je sais train de. plus. Peut-être Time Attack, Avec je des sais missions? plus. Des missions? Ah, peut-être. Ouais. Je me Je sais rappelle pas. plus. Ouais. Je sais. J'ai joué il y a Je longtemps, mais ouais. Ouais, je sais qu'il y a un des premiers jeux de la GameCube qui était Sonic Adventure 2 en fait. Aussi, Pas DX, Battle je crois. Ouais, c'est ça. ouais. Et... Sonic Adventure 2 Battle. Donc Oh, mais les deux sont mais sortis, hein. il y a Metal oui, Sonic voilà. aussi dedans La dans version Sony Blue. d'accord. Ouais. OK. Ouais. OK, Bon, mais bon, c'est grosso mieux que le modo, gros c'est des petits chat. trucs hein. Ouais. Avec sa canne à pêche, c'est pas. Ça c'était à l'époque. Hein. Rappelez-vous de la canne à pêche en accessoire. Enfin voilà. Les Japonais ont toujours été fans de pêche et surtout à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait plaisir et puis qu'ils ont rajouté ce fameux big dans Sonic Adventure quoi. Hein. Ah, ça, je veux bien croire qu'ils sont fans de pêche, parce que même la compilation qu'ils nous ont fait sur Xbox, la Dreamcast Collection, ils ont foutu le Sega Il Bass est Fishing dedans. quand même. Ouais, bah Ouais, c'est vrai. oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'était voilà pour le on va dire le niveau mondial un peu des jeux. L'ami Moloch Oui, c'est m'a moi. envoyé une liste de jeux japonais. Donc on va faire avec lui un petit zoom plus sur le Japon. Bon, sans peut-être avoir de chiffres précisément, mais on a Un une petit liste des jeux classement. les mieux vendus Genre, sur l'archipel. j'ai des chiffres si vous voulez. Ah ouais, si tu peux nous C'est les que dire, je parce les ai pas. que ça diffère un peu. Bon, il y a des jeux qui reviennent, hein, fatalement, hein, Sonic Adventure, Biohazard, mais il y a quelques jeux qu'on connaît pas trop chez nous, ou alors qui sont Normalement, tu le absents sais. de chez nous. De chez Comme toi? De chez Chez nous, ouais. nous. Oui, on pourrait parler de Seaman, qui est numéro 3, on va dire, au Japon, qui a Ouais, fait. Seaman, alors bon, c'est carrément un jeu Ouais. curieux, mais je C'est une pense grosse surprise, que. ça, quand même, hein. Ouais. Oh. Ils en ont Le vendu 3 tout à l'heure, troisième! tu disais. C'est un peu un Tamagotchi version 2000 avec un micro. Bah, Version glauque. il est sorti aussi aux US, mais je dois avoir un accent de français parce qu'il comprenait rien à ce que je lui disais quand j'y jouais en version US. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire à Seaman? Ah bah, il fallait l'élever, hein. C'est comme un Nourrir. Tamagotchi, hein. Lui donner à manger, et puis Ah, lui c'était parler, glauque. et le but c'était d'avoir des interactions avec lui. En fait. Donc, Ouais, plus on parce lui que parlait, et plus il finissait par comprendre certains trucs et à répondre. très étrange hein, quand même comme déjà Ouais, lui ouais, dire très très africain glauque, et très très glauque. un poisson avec une Ça fait peur. tête d'humain ouais. Ouais. C'était carrément affreux quoi de voir ça, mais les Japonais ils étaient fans de ça au point de se l'arracher quoi. Du coup c'est quelque part c'est devenu un système silure. Bah, c'est un poisson à moustache, ouais. Énorme. Ouais. Bah, 400 000 unités quand même ont été vendues. C'est presque autant que au Japon, hein, presque autant que Biohazard Code Veronica, qui est à 403 000. Mais c'est Oh la incroyable. vache. C'est dingue, hein. Bah, Dingue. c'est les japonais, hein. Qu'est-ce qu'on y peut? Ouais, mais Qu'est-ce qu'ils y peuvent Moloch, d'ailleurs? tu le un Moloch, tu l'expliques comment ça se. C'est l'interactivité qui les a intéressés ou. J'ai même moi-même du mal à comprendre quand j'ai vu les chiffres. Vous avez le choix entre un silure et un thon. Ça va, il n'y a pas Sega Bash Fishing dedans, hein, mais. Y a Heureusement. pas un peu mieux chez nous, mieux que Soul Calibur, mieux que Virtua Fighter. Ah C'est ouais, fou, ouais. c'est vraiment une autre culture. Ouais, Ah ouais. Et donc, alors, et je pense qu'on avait donc un module hein, qui se branchait dans la manette. Non, il y a un Un micro. micro, ouais. On branchait un Micro micro à la ouvert, je place crois. du VM dans la manette. Oui. Et on pouvait parler avec lui. Alors au début, c'était difficile parce que ça, c'est une larve en fait. Mais au fur et à mesure, il donne à manger. C'est dans tous les C'est un sens du ado au début, en fait, le terme. Mais ils aiment bien les jeux bizarres. Il y avait aussi un jeu qui s'appelait Lack of Love. Je sais pas si vous connaissez, sur Dreamcast. C'est pareil, c'est un jeu un peu barré, bizarre, où t'es une espèce de créature qui arrive sur une planète et faut que tu Ouais, non, mais survives et. ils ont des tas de jeux super bizarres. Ils ont notamment LSD sur PlayStation.
qui est une espèce de trip comment voilà, dans des rêves enfin c'est complètement barré. Mais il n'y a aucune retenue hein. Dès qu'ils ont une idée ça y est ils en font un jeu. Ah ouais. Carrément non mais je vois que bah et si, regardez Seiya Gaga hein. Regardez tout simplement Seiya Gaga hein. Imaginez un studio occidental faire un truc comme ça. Ah bah tiens, j'aurais adoré la voir, ouais. Et Moloch, c'est toi qui est justement, tu as fait hein, le. Oui, j'ai le... fait un article sur Sega Gaga. Ouais, ouais. Oui, un super article. Exceptionnel, exceptionnel article. Ouais, vraiment, ouais, fantastique. Ouais, du coup, c'est tout à fait. C'est une bible, c'est pas un article, c'est une bible. Tu pourrais nous en faire un du coup sur Seaman parce que vraiment. Je vais te sacrifier. C'est pas sympa. Et pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, et qui ont pas trop de problèmes avec l'anglais, il y a sur YouTube une vidéo de classique Game Room où justement. Ah, d'accord. Il joue au jeu, mais bon, il l'insulte, il le pousse à bout et le bourre, il répond. Ah ouais. Ah, excellent. Ouais, c'est vrai, vraiment le truc, c'était cette espèce de créature, mais qui apprend, quoi. C'est plus que le Tamagotchi à qui on donne à manger et qui fait caca. Ouais, c'est très évolutif, en fait. Hein, ouais. Si je me rappelle bien, en fait, en gros, tu lances ton jeu, tu fais un petit truc, etc. Tu l'éteins et puis tu reviens le lendemain. Enfin, c'est tout un système comme ça, je crois. Hein. Il y avait un système évolutif, non? Ah, il fonctionnait avec l'horloge de la console, peut-être. Ouais, ouais. Je crois bien, ouais. Il y avait un système évolutif. Enfin, voilà, donc... Donc c'est en fait, est-ce que on pourrait pas expliquer le succès par le fait que les Japonais ont des logements assez confinés et qu'ils ont malheureusement pas assez de place souvent pour avoir des animaux. Oui, sûrement, ouais. Oui, il y a sûrement. Et il y a peut-être un peu ça parce que ouais, ils ont pas beaucoup de place, je crois, pour avoir notamment des chats, chiens, etc. Est-ce que ça peut expliquer une partie du truc parce que enfin les chiffres sont énormes, vous rendez 400 000, vous rendez compte? c'est énorme. Et il y a trois épisodes en plus, enfin il y a Seaman 2001 je crois, et puis ils ont fait un Christmas Seaman qui est sorti avec une console aussi. Oui. Encore une limitée, ouais. Ah ouais. L'homme de la mer. Il y avait subi des changements parce que le jeu était relativement difficile et ils avaient un peu nivelé le niveau de difficulté pour permettre à tout le monde d'avancer un peu plus facilement dans le jeu. Mais c'est quoi le but à la fin? C'est que le mec il sorte de l'eau ou c'est quoi? Enfin, je sais pas. Il y a plusieurs stades d'évolution. C'est la petite sirène. Faut qu'il perde sa queue, ouais, je sais pas. Voir, hein, faut... Il fait quoi le machin si tu lui passes juste Céline Dion? Mais justement, hein, c'est un peu l'idée. Hein. Pourquoi pas essayer? Et bon, ensuite, donc on a quoi alors dans cet autre dans ce top japonais des meilleures ventes des jeux japonais? Je vois qu'on a un Sega Rally. Sega Rally 2 juste après. Curieusement, en fait, Sega Rally qui était une des meilleures ventes sur Saturn, finalement, on le retrouve pas vraiment, hein, même dans les ventes mondiales. Ouais, c'est logique. C'est logique, tout simplement, parce que il est sorti dans un flot de jeux très important lors de ses sorties occidentales, malheureusement. Alors qu'au Japon, ils avaient la chance déjà, je crois que le jeu était en ligne, non? Il y a pas une version en ligne, effectivement. Voilà, il est forcément 60 Hz, il est mieux animé. Enfin, on a moins de ralentissement, etc. Et il faut quand même savoir que Sega a fait pas mal pour ce jeu-là. Sega a quand même fait en sorte de le sortir dans une qualité vraiment intéressante. Parce que quand le jeu a été présenté à 60% de son développement, les journalistes japonais et occidentaux ont tiré la sonnette d'alarme en disant que le jeu n'était absolument pas au niveau du premier Sega Rally et au niveau de ce que peut faire la future console en fait à l'époque de Sega. Et du coup, ils ont retravaillé le jeu quasiment de zéro. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu un jeu quand même très très correct. Malheureusement, en Europe, avec le 50 Hz... Il y avait 50 Hz... Mais il a l'option, hein. Je pense qu'il a quand même l'option. Oui, non. Ouais, je crois, je sais. Enfin, si on joue en VGA, le jeu passe en 60 Hz, mais déjà, il fallait le savoir. Mais je sais que un truc qu'il faut quand même savoir, c'est Yarali 2,
Et un des rares jeux qui a été développé en collaboration avec le Windows CE, enfin le qui a été développé avec le Windows CE, et c'est un format, enfin une architecture que détestent les Japonais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très très peu de jeux qui utilisent ce truc-là. Ouais, tous ceux qui Et l'utilisent ont des problèmes techniques. ouais, et puis je sais plus, il y a du Wide Matrix ou je sais plus Wide Metal ou des trucs comme ça, totalement obscurs. Mais Il y a le Hidden mais Dangerous aussi qui est absolument atroce sur la Oh. Dreamcast. Ah ouais, oui, en effet, ouais. Mais voilà, enfin, c'est vrai que le Windows CE n'a pas, malheureusement, n'a pas arrangé les choses. Et pourtant, moi, je sais que même malgré tous les petits problèmes qu'il avait, c'est mon premier jeu Dreamcast et je peux vous dire que j'en ai passé un sacré paquet d'heures. Il est quand même de très bonne qualité, hein, faut dire ce qui est. Mais malheureusement, on n'avait pas l'animation, enfin, la fluidité de la version japonaise. Perso, j'ai quand même moins aimé. Hein. J'ai quand même moins Ah aimé oui? que le premier. Je l'ai acheté les yeux fermés. Hein. Moi, j'ai vu Sega Rally 2. Bah, je l'avais vu Ouais. sur l'arcade. Franchement, Ah, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai ça bien aimé. tabassait. Moi, je l'ai vu J'ai aussi en quand même arcade moins en aimé. premier, donc forcément, j'ai moins. Ouais, j'ai pas trop accroché non plus, en fait, sur des. Moi j'ai bien aimé. En Après, ça arcade, dépend de. j'aime beaucoup, par contre. Hein. Mais c'est vrai que sur mes revues en VGA, avec le 60 Hz, bon, c'est autre chose. Hein. Ah bah Bah, oui, bah oui. on a quoi d'autre? Alors, du coup, dans cette liste, alors il y a une espèce de jeu, alors on ne sait pas trop, hein, parce que t'es le seul à pouvoir peut-être lire le japonais, hein, mais tu vas nous dire ce que c'est. Ouais, j'ai dit Pro Soccer Club Old School. Ouais, c'est Let's À tes Make. souhaits. On dirait du russe, là, je veux pas. Ouais, c'est. Vous voulez encore une fois? Ah ouais, bah vas-y, on refait ouais, c'était marrant. J-League, Pro Soccer Club Old School. Oh là, Ouais. et c'est Voilà. G-League, enfin, donc j'ai compris que c'était un G-League. Oui, c'est créer votre équipe de football de la G-League. Ouais, d'accord. C'est plus, c'est un jeu de football, mais un peu comme Manager Soccer, plus Ouais, dans c'est le passé management. dans White Soccer, quoi, on a C'est parlé Let's un Make a épisode, quoi. G-League Pro Soccer Club. Et pourtant, c'est un jeu qui a des bonnes notes. Effectivement, il y a eu 34 hein, sur Ah Famitsu oui. en total. Mmh. D'accord. Ce qui est un point de moins que Code Veronica. Ah ouais. Oui, il est vrai. C'est vraiment c'est un jeu Sega. Hein, c'est un jeu qui a été fait par Sega. Smilebite en particulier. Et Bah nous sûrement en pas la Europe, qualité de en Europe, on a eu droit seulement à un jeu de management de football. D'ailleurs, je crois qu'il n'est même pas sorti en France. Et ça s'appelle Giant Killers. Alors Oui. franchement, j'y ai pas joué, mais bon, ça n'a pas dû faire un gros succès ce truc-là. Je crois qu'il est sorti Giant qu'en Killers? il est Ouais. sorti qu'en Angleterre, je crois. Il me semble. Et il est assez Ça me dit coté et il rien vaut du assez tout. cher en PAL, Ça me dit forcément. rien du tout, ça, alors là. Comment Il y a des spécificités régionales en Europe, Ouais. des jeux qui sont sortis sur tel ou tel dans tel ou tel pays. Bah nous on a eu de la Oui, il y chance d'avoir a. Taxi 2. Ouais, waouh. Oh la Ah vache. si, 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 il y en a un qui est sorti uniquement en Angleterre, le manga là, oh, je sais, Berserk. C'est pas Ouais, Berserk Sword ou of the Berserk, si c'est ça, Ouais, ouais. il y a Voilà, Berserk. c'est ça. Et il est pas sorti en France. Non. 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 Voilà. Il y a le Moho aussi qui est sorti dans une paire de pays. Je crois qu'il En est sorti en Allemagne. Allemagne et ouais. Et pareil, celui-là il est bien coté maintenant, quoi. Ouais, t'as D'accord. Evolution 2 aussi, t'as des trucs comme Oui. ça. Ah, c'est Pareil. sorti en Europe, ça aussi? Ouais. D'accord. Ah oui. Je Ouais, croyais que c'était Evolution qu'aux 2, ouais. États-Unis, moi. Je croyais que c'était qu'aux États-Unis, ouais. Si, on D'accord. l'a eu. Ouais. Et ensuite aussi, parmi tout ça, bah, il y a les fameux Sakura Taisen. Ouais, Oui, le 3. c'est Le bon. 3 qui est Le 3 en effectivement, temps. ouais, pour moi, le C'est un meilleur. inédit ou c'est une reprise de la Saturne? Non, Non, c'est c'est inédit. inédit. Il y a D'accord. eu justement le 1 et le 2 qui ont été Oui, les deux premiers, c'est des refaits. refontes. Ouais. Ouais, exactement. D'accord. Ok. Avec des graphismes un peu plus précis, qui profitaient un peu plus de la définition de la Dreamcast. Les cinématiques notamment aussi qu'on Ouais, avait revues. tout à fait. Et il y a même la possibilité de récupérer ses sauvegardes des épisodes précédents. Ah Ouais, ouais, sympa. avec D'accord. des petits plus. Ouais. Ça ne change pas tout le jeu, mais c'est toujours un détail sympathique. 3 qui est, je pense, le meilleur de la série, se passe à Paris. Oui, Crystal is effectivement. Burning, je crois, le sous-titre. Ah là, Tout à c'était un fait. truc, la chatte noire ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Oui, voilà, ouais. Bah, bravo. Le cabaret, c'était la chatte noire. Ouais. En référence au gros chat noir de Montmartre, si je me souviens bien.
Il l'avait mis au féminin. Alors, je ne sais pas s'il savait ce que ça voulait dire. En nous, ça fait toujours sourire. Et... Non, mais c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, quand il est sorti, sur pas mal de mags, ouais, il y avait des super notes, quoi, ce jeu. Ça courait à voir. Ouais. J'étais frustré de ne pas pouvoir y jouer vraiment et en prendre plaisir, quoi. C'est sûr, parce qu'il est vraiment bien. Et en fait, ils ont carrément refait le système de jeu pour profiter de la 3D. Et alors, au lieu d'avoir un damier avec de quoi déplacer ses robots de case en case, c'est carrément une map où on bouge en temps réel son robot avec une animation. Ah oui, d'accord. Et on a une jauge d'action qu'on peut consommer en bougeant et en attaquant. Et donc on peut bouger dans la map comme on veut tant qu'on a encore de la jauge d'action. Ça fait un peu comme Valkyria Chronicle, quoi, non? Je pense, oui. Je pense que le principe a été repris pour Valkyria Chronicle. Ça ont... change pas tout parce que c'est vraiment bien fait. Il est vraiment magnifique, je pense. Sur les scènes de combat, c'était vraiment chou. Il y a un paquet d'éditions qui est sorti en plus de ce jeu-là, je crois, avec une horloge, avec une VMU spéciale. Avec... Oui, il y a le collecteur A et le collecteur B à chaque fois. Dans le 3 et le 4. Je crois qu'il y en a deux de chaque. Ouais. Okay. Il y a l'horloge, il y a le VMU, et puis après, il y a une réédition plus tard, une sorte de best price. Ouais, et pour l'autre, il y a c'est une boîte à musique et un autre truc encore. Il y en a avec pas mal d'espèces de médaillons, là, petites médailles, etc., avec les personnages. Ah oui. Là. Oui, c'est pour le 4, celui-là. Ils ont toujours aimé les goodies avec les Sakura Tyson, parce que sur Saturn, il y avait déjà eu XX version avec souris, avec le pad, tout ça. C'est marrant qu'ils n'aient traduit aucun en France, quoi. Il n'y en a aucun qui est sorti en français ou en Europe. Non, en France, non. Le 5 est traduit en anglais. Il est sorti sur Wii, mais il y a eu une sortie uniquement aux US du 5, avec la traduction. C'est-à-dire que le Japon n'a même pas eu la version Wii. Okay. Ah oui, d'accord. Ok. Leur politique de traduction est assez particulière. Ouais, ils pensent que ça marcherait pas en Europe, quoi, en fait. Hein. Oui, sûrement. C'est... Tout bêtement. Hein. Oui, c'est carrément particulier. On est quand même un chef d'unité avec sous ses ordres des femmes. Ouais. Déjà là, c'est déjà foutu d'avance parce qu'en France, les féministes réagiraient plutôt violemment à ouais, ça. Mais étonnamment, tu dis que c'est sorti aux États-Unis et. Les États-Unis sont quand même assez assez comment je trouve féministe, pas le mot, féministe, ouais. Voilà non pas féministe mais ils sont encore plus strictes que nous sur voilà ouais exactement ah la vache il est tard donc voilà les puritains et du coup oui c'est vrai que comment c'est assez étonnant finalement qu'ils aient eu une version oui c'est ça ça arrive oui c'est Wii. Le alors c'est la version c'est le 5 qui est sorti sur PS2 d'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Original. Original. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a peut-être eu pas mal de demandes de fans d'animation qui voulaient absolument en faire un, mais en anglais, peut-être. Dans leur. Ouais, dans c'est leur... ça. Ouais. Je suis pas certain qu'il y ait eu un gros succès. Mais... Bon, ouais. Avis aux modeurs géniaux hein, qui aujourd'hui traduisent les jeux. Hein. Ah, je pense si, que celui-là, il faudrait être... ouais, si on pouvait nous en faire quelques-uns, ce serait bien, parce que pour découvrir c'est clair, cet c'est univers, clair. Ça pourrait ça, être sympa. Ça donne trop envie et on peut pas, et c'est dommage. Ouais. Le 3, quand il est sorti, la cinématique d'intro était vraiment, vraiment bluffante. Ouais. Avec des robots en 3D, mais vraiment bien intégrés. Hein. C'était pas, on voyait très peu la différence entre un modèle 3D et dessin 2D. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Et l'animation elle-même était de super qualité. C'était la grande claque. J'ai dû me repasser une trentaine, quarantaine de fois la cinématique d'intro. Tellement Moi, j'ai la musique en tête de l'intro. Oui. Elle était excellente. Ah ouais, elle reste vraiment en tête et c'est vrai, c'est vraiment génial. Techniquement, super bien réussi. Ah ouais, il faudrait vraiment qu'ils traduisent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Et sinon, après, dans tradition japonaise, peut-être aussi, il y a le Virtua Fighter 3. Oui. Qui se démarque aussi chez eux. Ouais, qui est en 9e place. Ouais, c'est assez logique, je pense, puisque c'est clairement, on va dire, le gros jeu de lancement. Hein, Virtua Fighter 3. Je sais plus combien il y a eu d'exemplaires vendus. C'est pas 100 000 le premier jour ou je sais plus. Si. Oui, 97 000. Voilà. Ouais, le premier jour.
Premier jour, ouais, premier jour. premier jour, et bah, grosso modo, il y a eu. Il y a eu un utilisateur sur 3 ou 4 de Dreamcast qui est reparti avec le jeu. Ou 1 sur 3, je crois. Une connerie comme ça, ouais. C'est énorme. Donc, ouais. Bizarrement, personne n'est reparti avec Godzilla. Ah. Ouais, je pense que en même temps... Je les ai tous achetés, en fait. C'est moi qui les ai tous pris. À tout hasard, Godzilla, tu sais pas, Moloch, combien il a eu dans Famitsu ? Malheureusement, non. Je suis désolé, j'aurais bien voulu savoir. Ah, quoi que... Ah, franchement, ça serait... Ah, si, mais il faudrait que je regarde. J'ai... Non, mais t'as des gens qui sont premiers. Mais non, mais je vais prendre Godzilla. Moi, je veux pas Virtua Fighter, je vais prendre Godzilla. Bah, c'est un jeu de combat. C'est un mythe, hein. c'est un mythe au Japon. C'est un mythe au Japon, donc... le jeu est pourri, mais bon, c'est... ouais. Ah, puis il est sorti à la sortie de la console, donc c'est vrai que ça doit influencer un peu les chiffres de vente quand même. Voilà, exactement, bien sûr. Il y avait quand même July, qui était une enquête textuelle. C'est Capcom, ça, je crois que c'est Capcom qui a fait ça. Je sais plus si c'est... Je crois pas que c'est Capcom. Non, il me semble que si. Non, c'est... July, c'est un autre éditeur, mais par contre, c'était un qui était sur... Ils ont fait, oh là là, on va pas avoir assez de jeux sur Dreamcast. Allez, hop, on prend le jeu et on le fout sur Dreamcast. C'est exactement ce qui s'est passé. Et autrement, il y a eu le très rigolo Pen Pen Tree Island, qui est un jeu développé uniquement par une équipe de femmes et qui est franchement rigolo. Lequel, tu répètes? Pen Pen Tree Island, ah, qui ouais, est sorti, ouais. Qui a été édité chez nous par Infogrames, si je me trompe bien. Si je me trompe pas. Donc voilà. Ouais, et VF3, bon, perso, moi, je t'ai moins aimé que... Ça m'a moins fait l'effet que Virtua Fighter 2, quoi. Ça m'a moins mis la claque, hein, quand même, que Virtua Fighter 2, tout comme Sega Rally 2. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas... Je pense qu'il y a, un truc qui est assez logique. Le TB, c'est Team Battle, hein, si je me trompe pas. C'est bien ça, Team Battle. Ouais, Mais comment le problème de Virtua Fighter 3, c'est qu'ils ont un peu changé la philosophie. Vous vous rappelez comment on fallait sauter ? Fallait appuyer sur le bas de la croix et appuyer sur le haut pour sauter. On pouvait pas sauter comme sur les anciens. Donc ça, c'était assez particulier. Il y avait un système d'esquive aussi qui avait son apparition. Qui n'a pas forcément fait non plus l'unanimité. Mais c'était quand même une sacrée tarte dans la tronche quand tu avais la Dreamcast japonaise et que tu avais ça à la maison la première fois, je pense. Hein. Nous, c'est sûr, forcément, nous, on a eu moins l'impact parce que le jeu avait vieilli, ça faisait 8 ou 9 mois qu'il était sorti, ouais. Il avait vieilli, et à côté, une semaine après, tu avais Soul Calibur. Ouais, c'est vrai que Soul Calibur, à côté, ça... Donc voilà, mais moi, pour l'avoir refait dernièrement, je prends toujours autant de plaisir avec ce jeu, il est toujours très sympa. Hein. C'est très feeling fin années 90, en fait, c'est rigolo. C'est exactement comme prendre le premier Virtua Fighter aujourd'hui sur Saturn, et écouter simplement les musiques qui font très arcade du début des années 90. Ouais. C'est des feelings comme ça qu'on a... C'est même pas forcément la qualité intrinsèque du jeu, mais c'est plutôt, je sais pas, un feeling que tu ressens comme de l'époque. Ouais, c'est ça. Exactement comme tout à l'heure avec Sega Rally 2 où je disais que j'avais adoré. Mais je pense que c'est surtout parce que ça a été mon seul jeu pendant 3 mois et t'es un peu obligé de l'aimer quand même, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'il ait vendu beaucoup en France, par contre, ou en Europe, parce que ben, tu vois, jusqu'aujourd'hui, Virtua Fighter 3, quoi. Je pense pas. Parce que quand tu vois le nombre, jusqu'aujourd'hui, le nombre d'exemplaires que tu trouves facilement sur le net à 1€, à 2€, et 9 en plus, un 9 sous ses lots, quoi. T'as un paquet, quoi. Je me dis, personne ne l'a acheté ou quoi. 9 ah ouais. Un œuf sous ses lots, t'as des chips, ils les vendent à 5€, ben, on tombe, quoi. Et il y a une anecdote à propos de Virtua Fighter 3 qui a fait jaser à l'époque, je me rappelle dans les magazines, il n'y avait pas de mode, c'est quoi, il n'y avait pas de mode de VS ou... Oui, c'est ça, il n'y avait pas de mode VS. En fait, il n'y avait qu'un mode arcade, donc si tu voulais en fait changer ton perso, tu devais dire à ton pote, bon bah vas-y, je fais exprès de perdre et puis comme ça je pourrais changer mon perso ou je sais plus quoi. Enfin voilà, il n'y avait pas de mode VS. Ouais. Et ils l'ont rajouté en Europe, ce truc-là. Petite parenthèse, c'est pas Capcom. July, j'ai quand même cherché, parce que ça me titillait un peu. C'est 45, le oui, jeu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un petit éditeur. C'est ceux qu'on fait Tokyo Bus Guide sur. Ouais, que des jeux pourris, quoi. C'est un grand jeu, quoi. Ah, c'est des Kitty, non ? Non, c'est pas eux, non ? Je crois pas.
On va faire un débat sur 45. Voilà. Tout ça pour encore vendre des Dreamcast. Si, ils ont fait un Hello Kitty. Hello Kitty No Garden Panic. Oh, c'est bon. Oh là là. Et une Dreamcast à 1000 euros, hein, encore. Hein. Elle est Love Hina, ceux qui connaissent. Ah, les Love Hina, oui. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des systèmes sellers et des meilleures ventes hein, de la console. Et y en a encore qu'on a pas vraiment évoqué. Hein, mais franchement, cette console, la Dreamcast, a vraiment un univers vraiment particulier et bien à elle. Hein, y a encore les Virtua Tennis, tout ça. Les tout ça PSO, Jet Set. Jet Set Radio, Jet Set Radio, tout ça. The House of the Dead 2. Voilà, tous ces jeux qu'on n'a pas évoqués et qui font aussi partie de cet univers vraiment particulier. Mais bon, ce soir, on parlait plus précisément des meilleures ventes et des systèmes sellers de la console. Donc voilà, je pense qu'on a déjà bien fait le tour et l'horloge tourne aussi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je voudrais remercier tous nos intervenants, Régis, ouais. Gothic, ouais. Donc Moloch, Segamax et Curdy. Ouais. Et bon on va se dire à bientôt. Et puis une petite pensée à nouveau pour notre taulier. AMNJ. Ouais. Mais il reviendra bientôt, tout va bien. Ouais, il nous laisse pérenne, mais que pour aujourd'hui. Hein, donc, il va pas lâcher. Ouais, il va pas lâcher comme ça. Hein. C'est tenace, hein, quand même. Voilà. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain pod sur Sega Legacy. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. 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 Salut tout le monde. Salut. Donc pour ce soir, j'accueille Gothic. Hello. Salut Gothic. Hello, hello. Hello, hello, salut. Salut. On t'entend pas bien. Ah. Ouais, ça s'est éloigné. Ça ira mieux. J'accueille Manga, aka Régis. Attends, on va peut-être refaire là parce que. Ouais. Manji, il va nous en vouloir sinon. Ouais, je t'entends mal. Je vous entends mal, moi. Et là, c'est bon ? Ouais. Ah, je suis quasiment obligé de le manger, le micro. Mais c'est peut-être pour ça qu'on t'entend mal. Hein. Enlève-le de ta bouche. Ça va me revenir cher, les podcasts. Hein.
Ouais, c'était bizarre ça. Non, ça va là? Ouais. Ouais, c'est l'Edge, mais bon, ça va. Ah, c'est bizarre ça. Peut-être remettre un petit coup de son un peu plus haut.